Donc, nous allons prendre le premier point. Était-il une erreur d'avoir soutenu le CNRD à sa prise du pouvoir? Avions-nous vraiment le choix à ce moment-là? Qu'est-ce que je veux ressortir par là? Parce qu'en ce moment, nous voyons beaucoup de publications, beaucoup de personnes. Rebonsoir à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, je me porte super bien par la grâce d'Allah. Je le remercie, le Seigneur des mondes. C'est lui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Ceux qui vont me regarder maintenant et plus tard, Inch'Allah. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on avait le choix? Est-ce que c'est une erreur d'avoir soutenu le colonel, d'avoir soutenu le CNRD? Salut, salut, comment tu vas là-bas? Bari, bari. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de petites murmures que oui, l'UFDG n'a qu'une seule place. C'est bien fait pour l'UFDG. C'est l'UFDG qui a applaudi quand le CNRD est arrivé, comme tout ce que vous savez, les mauvaises foi et les mauvaises langues. Donc, pour ce genre, ceux qui sont en train d'appeler, s'il vous plaît, laissez-moi finir d'abord, pardon, hein. Ceux qui appellent là, il faut que moi je fasse mes petits commentaires d'abord, s'il vous plaît. Donc, à ce moment-là, le moment où le CNRD est venu, supposons que un politicien, peu importe, ou une partie de la population se dise à ce moment-là, non, nous, on n'est pas content, mettez beaucoup, beaucoup de cœur, énormément de cœur, je n'ai pas besoin de vous le dire, je n'ai pas besoin de dire cela. C'est ça mon salaire. Je n'ai pas besoin de le dire. Cette page, elle est détruite à cause de ça. Parce que vous êtes là comme ça, vous regardez. Oui, c'est bien d'écouter ce que j'ai dit, mais c'est un boulot aussi pour vous là-bas. Quand certaines personnes veulent montrer que ce n'est pas bon, vous vous montrez que c'est bon. Vous êtes plus nombreux. Les positifs sont plus nombreux. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, en Guinée, le positif et le négatif sont en train de se battre. Iblis. Et les bonnes personnes d'Allah, les quelques personnes d'Allah qui se sont perdues en Guinée, les quelques personnes sont en train de se battre contre Iblis. Donc, nous serions plus forts, Inch'Allah. Mais si vous vous trompez de guerre, je pense que nous sommes en train de nous tromper de guerre, c'est pourquoi on se trompe d'adversaire. Gongami Fageya, il y a quelques années. Donc, voilà. Maintenant, à ce moment-là, celui qui se levait pour se dire, ah oui, écoutez, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec le coup d'État, ou je ne suis pas d'accord avec ce coup de force, ou je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, parce que, bon, peut-être je suis le gagnant de cette élection, ou alors, non, 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 ce n'est même pas ça, c'est parce que les coups d'État, comme on le dit, ça met le pays en retard, ça met l'Afrique en retard. Bon, ça, ce sont les arguments des gens en général. Je ne sais pas ce qui est en train de développer l'Afrique. La démocratie, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Je ne suis pas du tout partisane de la démocratie, je vous l'ai déjà dit, mais je n'ai pas le choix. Donc, je m'adapte à ce qui se passe aujourd'hui. Je fais avec les moyens du bord. Maintenant, nous sommes là par rapport à El Celo Diallo, de ce côté-là, parce qu'on parle de l'UFDG et de l'ANAC, qui ont applaudi selon ce que eux ils disent. Donc, c'est bien fait pour eux aujourd'hui s'ils ont une place et patati et patata. Ils sont pas d'accord avec le CNRD, puisque c'est ce match, soi-disant, c'est ce match-là qu'ils sont en train d'attendre depuis longtemps. Moi, je pense que c'est le match des urnes qu'il faut entendre. Le CNRD n'est pas un parti politique. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un match. Normalement, il n'y en a pas. Normalement, il n'y en aura pas, Inch'Allah. Mais nous sommes là-dessus. Donc, on aurait dit quoi? Ah, vous voyez, c'est Loudalen Diallo, c'est encore lui. Le monsieur-là, il était là. Il n'était même pas libre de ses moyens, lui et ses éléments. Quelqu'un vient les libérer, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le coup d'État. Mais qu'est-ce que le monsieur l'a vu? Ils auraient dit cela. Aujourd'hui, ils disent autre chose. Vous savez, quand on n'aime pas son chien, on l'accuse de rage. Quand quelqu'un ne t'aime pas, quand quelqu'un ne veut pas de toi, quoi que tu fasses, il ne t'aimera pas. Il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Ce n'est pas un débat. C'est quand Allah t'aime qu'il te sauve. C'est lui qui peut te sauver. Sinon, un nourrisson, on ne va pas mettre un nourrisson qui est né aujourd'hui, le mettre dans la poubelle, que quelqu'un d'autre vienne le récupérer. Ce n'est pas Allah qui descend pour prendre le bébé. Il envoie quelqu'un prendre le bébé. Donc, quoi qu'il s'était passé à ce moment-là, quelle que soit la personne, on a l'air de vous voyez cette personne. Les gens là ne veulent pas le bonheur. Nous sommes là, nous sommes coincés, nous sommes serrés. Quelqu'un d'autre est venu nous ouvrir une petite fenêtre. Voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas contents.
Maintenant, aujourd'hui, ils sont contents, selon eux, parce que l'UFDG a une seule place. Ce n'est pas le CNRD qui donne le pouvoir. Ce n'est pas le CNT qui donne le pouvoir. Ce n'est pas, je ne sais pas, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Maintenant, nous revenons à cette histoire d'âge. Il faudrait que le CNRD aussi sache, même si c'était moi, Marie Sesoko, qui était devant ce jour-là, j'allais être acclamée. Oui, il y a des gens qui allaient dire, oh non, 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 les femmes en hijab, elles sont très fortes. Ceux qui disent tout le temps ici de ne pas parler ici, ils seraient contents ce jour. Ce jour-là, parce que ça les arrange. Maintenant, cette histoire d'âge qui est en train de se dire aujourd'hui, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et là, celui-là, Ndiallo n'est pas le plus âgé. Non. Je pense qu'il est plus âgé qu'une seule personne, apparemment. Une seule personne. Tout le reste, là, ils sont beaucoup plus âgés que lui. En tout cas, ils sont plus âgés que lui. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Mais vu que c'est lui la plus grande force politique aujourd'hui, moi, à sa place, je n'aurais rien dit. Ça, c'est moi. Parce que c'est, je pense que nous allons voter la Constitution. Je crois bien, en tout cas, nous n'allons pas ouvrir nos bouches pour attendre. Ça, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de peuple et de population. Nous devons savoir cette fois-ci. Ça ne sera pas comme la fois dernière et puis que ce soit falsifié après. Non, nous voulons savoir ce qui se passe, ce qui s'écrit, ce que cette CNT-là est en train d'écrire. Parce que la majeure partie des gens de cette histoire de CNT-là, nous n'allons pas, même pas parler de M. Dansa Kourouma. Ça, c'est un autre débat. Mais là, le représentant de la Haute-Guinée se plaint. Le représentant de Dou encore de plusieurs zones se plaint. Que ce ne sont pas ceux-là qui ont été pris. Il y a eu d'autres personnes qui ont été prises. Oui, bien sûr, il paraît. Et pourquoi? Ce qui constitue cette CNT-là aujourd'hui, si c'est la CNT ou le CNT, peu importe, cette histoire de CNT, ce qui constitue ce groupe-là, est-ce que ceux-là se sont battus contre M. Alpha Condé? Est-ce qu'ils se sont battus contre le système? Nous nous connaissons sur les réseaux sociaux ici. Ceux qui écrivent la plupart, même si tu ne connais pas quelqu'un, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ceux qui font les vidéos, on les connaît. Vous n'allez pas me dire que toutes ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui écrivent et qui publient, il n'y a pas quelques personnes qui peuvent dire quelque chose dans votre affaire de CNT-là. Vous n'allez pas me dire cela. Puisque même la colère est là en Guinée en ce moment, il paraît. Elle-même, elle peut siéger là-bas. Oui, parce que j'ai vu des noms. La colère est mieux que ceux-là. La colère, Chimène qui est là, parce qu'elle, elle s'intéresse à la Guinée. Moi, vous voyez ma page, si ce n'est pas politique, c'est islam. C'est les deux domaines que je publie sur ma page. Elle publie tout. Elle, tout ce qui concerne la Guinée, elle met. Tout ce qui concerne la Guinée, elle est en Guinée. J'ai vu des noms là-bas, celle-là est mieux que ceux-là. On peut aller sur les pages et les comptes des gens pour voir quand M. Alpha Condé était aux affaires. Qu'est-ce que ceux-là faisaient en ce moment-là? Il y a plusieurs méthodes pour se battre. Il y a plusieurs façons de se battre. Donc maintenant, s'ils veulent ramener une question d'âge, ce n'est pas obligatoirement contre M. Serudel Ndiallo. Mais ça peut être encore contre lui ou c'est cette affaire de Peul-là. Moi, je vais le dire. Ce n'est pas autre chose. Hein. Si le colonel Mamadi Doumbouya a changé ou s'il veut changer, ils font que des sacrifices non-stop un peu partout en Guinée. Ils sont partis déterrer des bébés, aller couper les membres des gens, faire des trucs. C'est Allah qui va juger entre vous et nous. Moi, je ne laisse pas pour moi. Je laisse à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux que la Guinée vienne sur la route d'Allah. C'est-à-dire la justice, la vérité, qu'on sorte de l'obscurité. Si vous allez déterrer vos morts, vous allez tuer des nourrissons, vous allez déterrer les nourrissons, ça c'est Iblis. Si vous voyez qu'il a reçu les chanteurs iblistiques là, ce sont les sacrifices là qui tirent le pauvre monsieur. J'ai dit ici plusieurs fois, nous devons continuer à soutenir le colonel parce qu'ils vont le tirer. Nous sommes en train de se battre contre le bon et le mauvais, le négatif et le positif. Il y a eu certains qui sont en train de penser aux élections, il y a d'autres qui sont en train de penser à l'heure aujourd'hui, ce qu'ils vont bouffer, l'heure demain, ils s'en fichent. Ce qui va se passer après, ils s'en fichent. Et je vous l'ai dit, si quelque chose revient, arrive à ce monsieur-là, ceux qui vont venir, ceux qui viendront, les erreurs que le colonel a fait, ils ne le feront pas. Partis politiques, ils vont se débrouiller eux aussi autrement. Parce qu'en Guinée, chacun s'inspire du côté de l'autre pour frapper. C'est comme ça que ça se passe. Nous n'allons plus accepter cela. Vous ne savez pas, vous qui êtes là-bas aujourd'hui, CNRD et tous les partis politiques là, vous ne savez pas comment M. Alpha Condé est parti. Hein. Vous ne savez pas cela, hein.
Comme Monsieur Gassama Gabi le dit, chacun s'est débrouillé comme il peut. Chacun a fait avec les moyens qu'il a. Mais Inch'Allah, nous allons vous montrer. Moi, je ne suis d'aucun parti politique. Mais je sais une chose. Allah même, il ne m'a jamais humilié. Et je l'aime. Moi, je me lève la nuit, je prie. Je ne demande pas 50 000 choses. Je demande que l'islam triomphe. C'est ça que je demande. La démocratie, je m'en fous. Le CNRD, je m'en fous. Toutes ces personnes-là, je m'en fous d'eux. Parce qu'ils ne vont rien changer à l'humanité, ils ne vont rien changer à ma vie. Mais partout où il y a mensonge, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Partout où il y a injustice, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Le colonel ne peut pas venir, lui et ses éléments, parce que si on dit uniquement, pardon, ceux qui sont en train d'appeler à cause de Dieu, je vous prie, pour l'amour de Dieu, pour l'amour d'Allah, laissez-moi finir. Comment ça se passe? Si il s'est levé, si le colonel s'est levé pour venir faire ce qui s'est fait le 5 septembre, parce qu'il y a des âmes qui se sont plaintes, parce qu'il y a des âmes qui ont pleuré, chacun a sa façon de se débrouiller. Allah a eu pitié de quelqu'un. Peut-être que Allah a sa personne quelque part en Guinée. Il a eu pitié de cette personne. Il l'a amené le colonel pour faire une petite justice. Parce qu'il y a trop d'injustice et de malhonnêteté dans ce pays-là. Maintenant, si lui, il vient, les âmes qui l'ont appelé, ces âmes-là le lâchent. Parce que certains s'intéressent aux prochaines élections. Parce que certains veulent leur place. Tandis qu'ils ne savent même pas comment ce monsieur-là est venu. Awa, Inch'Allah, ceux qui ont fait que le colonel se lève et qu'il vienne, la méthode qu'ils ont utilisée, ils utiliseront la même méthode quand ils ne seront pas contents du colonel. Inch'Allah. Ce n'est pas la force du colonel qui l'a amené là-bas. Hein. Les gens qu'il a autour, là, ce n'est pas leur force. Hein. Il faut que cela soit clair. Ce n'est pas sa force. Hein. Ceux qui sont autour de lui, ce n'est pas leur force. Maintenant, si le colonel me regarde, et si certaines personnes qui sont autour de lui sont en train de me regarder, demandez au colonel, le jour qu'il a pris le pouvoir et le jour qu'il a commencé à prendre des mauvaises décisions, comment il se sent. Posez-lui cette question. Au fond de lui, comment il est spirituellement? Comment il est moralement? Comment il est mentalement? Il faut qu'il se pose cette question. Si quelque chose n'a pas changé, tous les sacrifices que vous avez faits et tous les boulots que vous avez faits, que ce soit en Guinée ou n'importe où que ce soit, si ce sont les trucs qui ne sont pas islamiques, qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise tous ces boulots-là, qu'il les détruise tous, qu'il ramène ce monsieur-là, comme il l'a amené le jour du pouvoir, il l'a amené pour un truc bien déterminé. Ce peuple-là a soif de justice. Il y a trop d'injustice, parce que même ceux qui ne mangent pas trois fois par jour, c'est de l'injustice. Parce qu'on vient creuser leur terre, on vient creuser chez eux, on transporte leur bauxite ou leur or, ils ne mangent pas. Parce qu'il y a deux problèmes en Guinée. Dès que tu fais une publication sur l'injustice ou dès que tu parles injustice, il y a deux communautés. Il y a Peul et Malinké, tout de suite. Il y a un côté qui se victimise, il y a un côté qui se culpabilise. Parce que quand on parle de victimiser, c'est qu'il y a certains qui culpabilisent d'un côté. C'est toujours les deux. Et nous revenons encore à ça. Je l'ai régulièrement dit. Tant que cette histoire du peuple n'est pas réglée dans ce pays, nous n'allons pas nous en sortir. Ce n'est pas le problème fondamental, mais ça fait partie de nos problèmes. Et je le dis régulièrement. Tant qu'on parle, dès qu'on va parler d'élection, l'affaire du peuple ressort. Dès qu'on parle d'élection, l'affaire du peuple, tout va bien. Dès qu'on parle d'élection, cette histoire du peuple revient. Quand les élections finissent, on enterre. Tout le monde s'assoit. Les autres ethnies, tout le monde s'assoit. On attend quand les élections reviennent encore, on recommence. Pourquoi ne pas essayer de régler cette histoire de fond en comble? Parce que si on est en train de dire aujourd'hui, l'âge de Paul ou de Pierre, je pense que l'âge de Cédric Diallo, il est visé. Vous savez pourquoi je dis qu'il est visé? L'affaire de CMT, je vous ai toujours dit, on ferme un œil sur beaucoup de choses. Mais quand ça devient 1, 2, 3, 4, 5 petites choses, tu te rends compte que c'est certainement quelqu'un qui est visé. Mais il faut qu'on mette l'âge. Comme ça, on se dit, ça vaut le coup
Ça vaut le coup d'éliminer le peuple, même si on élimine 10 politiciens derrière un seul peuple, ça vaut le coup pour certaines personnes. Quel que soit le pays qui dit que le peuple ne gouverne pas mon pays, toi tu veux que Satan te gouverne. Parce que quand on dit peuple, c'est islam. Mais les gens disent cela ouvertement en Guinée, parce qu'ils veulent que ce soit Iblis qui soit là. Ce n'est pas autre chose. C'est cette histoire de religion-là. Mais ce n'est pas Seloudel Ndiallo qui va islamiser la Guinée. Non! Et quand on vous parle d'islam, ça ne veut pas dire que les gens vont se couvrir, les gens vont dire Allah Akbar à tous les coins de rue. Non! Ça veut dire qu'il y aura de la justice, qu'il y aura du bon vivre, que les gens vont s'entendre, qu'il y aura la cohésion sociale, qu'il y aura la réconciliation. Parce que tous les musulmans, tous les êtres humains descendent de la même personne, ont les mêmes descendants, ont le même créateur. Donc c'est la même famille. Maintenant, si quelqu'un n'a pas compris cela, tu n'as pas compris l'islam. Ce n'est pas 50 000 choses. Il y a un groupe qui s'est retrouvé autour de ce monsieur-là, qui lui bourre la tête de cette histoire de maninkaïté-là. Ce n'est pas autre chose. C'est ça le problème. Maintenant, ce que je veux comprendre, chemin frère de la Haute-Guinée. Moi, je suis Sissoko. Il y a une chose que je ne comprends pas. Que ce pouvoir soit une affaire de Mandem. J'ai du mal à le comprendre. Vous savez pourquoi? C'est comme si on disait, dans l'humanité, que les Noirs soient toujours derrière, que les Blancs soient en haut. Que le racisme triomphe, que les Blancs nous maltraitent, et que tout ce qui se passe, c'est normal. Est-ce que vous allez apprécier cela? Pourquoi tous ces stratagèmes? Ce qui s'est passé pour Alpha Condé, vous avez oublié ça? Vous avez oublié l'humiliation là? C'était cette affaire de Seloudel Ndiallo, ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi quand les gens disent ici de conseiller le colonel, moi je ne vais pas conseiller le colonel. Le colonel a une tête. Quoi qu'il en soit, le jour qu'il est venu, le 5 septembre, avant qu'il ne vienne, il ressentait quelque chose. Quelque chose l'animait ce jour-là. Quelque chose le motivait ce jour-là. Est-ce qu'il a la même motivation aujourd'hui? Aujourd'hui, il a la même motivation. L'humiliation qui s'est passée pour une certaine communauté le 5 septembre, les gens ont oublié cela. Tout ça pour une question de pouvoir. Supposons, parce qu'il ne faut pas dire que c'est moi qui ai dit, qu'on bute le colonel. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. J'ai dit supposons, je n'ai pas dit que ça va se réaliser, hein, parce que vous allez encore dire que c'est moi qui ai dit. Non, il se peut, parce que quand Allah te donne une mission, tu laisses ta mission, tu vas ailleurs, il y a deux choses. Si tu n'es pas avec Allah, tu es avec Iblis. Tu laisses la route de Dieu, tu vas sur la route de Satan. Je vous ai dit, personne ne gagne, c'est sacrifice contre sacrifice. D'autres personnes vont faire d'autres sacrifices. Ils vont venir tuer le monsieur là. Qui aura honte? Mamadi Doumbouya, c'est un malinké. Qui aura encore honte? Les peuples? Comme je vous l'avais déjà dit, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mais on est un peu proche de ça, hein. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je dis qu'on est un peu proche. Un peu. Supposons, je l'ai toujours dit, je ne transporterai jamais la honte de quelqu'un. Que ce soit ethniquement, que ce soit famille, que ce soit religion, mon bagage, c'est ce que je porte. Je ne porte pas le bagage de quelqu'un. Vous savez comment ce genre de choses arrive? Tu es venu pour une mission. Il y a des gens qui ont pleuré, qui ont pleurniché. À cause de ces pleurs-là, Allah t'a envoyé pour venir essuyer les larmes de ces gens-là. Tu essuies une arme là, par là, en voulant venir essuyer par là, tu te dis, ah, d'ailleurs, moi-même, il y a autre chose. Tu vas là-bas. Donc, tu as raté ta mission. L'ennemi aura raison de toi. Parce que quand tu n'as pas bien fait le travail que Dieu t'a donné, tu vas faire un autre travail. Mais je vous le dis, il faut faire énormément attention. Ça veut dire que ces gens-là qui t'ont fait appel, ils ne sont pas contents de toi. Ils vont encore appeler ce même Allah-là contre vos morts déterrés dans toute l'humanité.
Il n'y a pas de sacrifice qu'Alpha Condé n'a pas fait. Alpha Condé fait partie de tous les grands groupes du monde. Qu'il ait négocié avec le colonel Ba, qu'il n'ait pas négocié avec lui Ba. L'humiliation qu'il a subie le 5 septembre, le regard qu'il a eu ce jour-là. Ah, je pense que certaines personnes doivent réfléchir à cela. Le conseil qu'il faut donner à ce monsieur-là, c'est de dire de faire les choses équitablement. Monsieur Sidiya Touré est dans la politique, ça fait un moment. Monsieur Lansana Kouyaté, Monsieur Seloudel Ndiallo, Monsieur Kaba Ousmane et d'autres personnes, ils se sont battus comme ils peuvent. Chacun avec ses moyens. Chacun se bat comme il peut. Il y a des gens ici qui se battent avec les cœurs. Certains se battent avec les têtes de mort. Tous les coups sont permis. Mais je vous dis et je vous le répète, Wallah, Iblis ne va plus gouverner ce pays-là. Tout iblistique qui viendra, le même Iblis va t'humilier. Un autre viendra, Inch'Allah. Le même Iblis va t'humilier. Un autre viendra. Le même Iblis va l'humilier. Jusqu'au jour où les Guinéens vont arrêter les sacrifices sataniques. Ça fait combien d'années que les gens font ces sacrifices sataniques? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne naissance à des dictateurs. Ça donne naissance à des injustes. Ça donne naissance à des gens qui veulent s'agripper au pouvoir sans rien faire et sans rien foutre. Et ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que l'âge Seloudel Ndiallo a applaudi Mamadi Doumbouya et tous ceux qui l'ont applaudi, mais oui, moi je l'ai applaudi, mais quand il déconne, je le dis. Et les moyens que je connais là, je l'applique encore, Inch'Allah, et je vais gagner. Vous pensez qu'Alpha Condé est parti comment? C'est ce que vous voulez savoir? Je vous foutrai la paix. La deuxième honte est en jour. La deuxième honte, c'est en route. Quand tu aimes le pouvoir satanique, Iblis n'a pas d'amis. Iblis, on te traite tous les jours de méchant, de dictateur, et tu finis humilié, tu finis mal. Donc, nous allons voir. Si ce sont les sacrifices-là qui ont amené Mamadi Doumbouya au pouvoir, il va bientôt se rendre compte qu'il est dans un réseau qui n'est pas bon. Ceux aussi qui ont fait les sacrifices-là, vous allez bientôt vous rendre compte que ça n'a pas pris goût. Ça n'a pas pris et ça ne prendra pas, Inch'Allah. Parce que ce n'est pas Iblis qui a créé la Guinée. Le pouvoir, Allah te le donne. Si tu, il te donne telle date à telle. S'il a dit Mamadi Doumbouya, c'est 2-3 ans. Mamadi Doumbouya veut prolonger ça à 10 ans. Il veut liquider d'autres personnes. Si les autres là ne s'étaient pas battus, lui il allait venir. Lui, il allait venir au pouvoir à ce moment-là. Si les élections étaient équitables, étaient transparentes, Mamadi Doumbouya sera là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est venu pour une mission très simple. Et il a intérêt. Toutes les personnes qui ont soutenu Alpha Condé dans ce troisième mandat, c'est pour l'intérêt du colonel. S'ils soutiennent le colonel aujourd'hui, ils sont proches de lui, c'est des gens qui ont la poisse. C'est des porte-malheurs. Parce qu'une seule personne peut sauver l'humanité, peut sauver un pays. Si toutes ces personnes ont soutenu M. Alpha Condé, ils ont fait tous ces sacrifices, tous les sacrifices qu'ils font aujourd'hui, ça n'a pas sauvé le monsieur. Ça veut dire que ce sont des gens que Dieu voulait humilier. Qu'il va les humilier encore. Inch'Allah, il va les humilier. Ça ne marchera pas. Non. Ça ne marchera pas. Il faut faire les choses proprement. Clairement, chacun d'eux s'est battu. Certes, M. Seloudel était en Guinée. Il y a certains qui sont partis. M. Kouyaté était en France. Et M. Sidi, à un moment donné, s'est cherché. Mais vous pensez que ces gens-là, ils étaient en France et ailleurs, qu'ils n'ont pas fait des sacrifices? Ça, ce sont des sacrifices de vivre hors de chez toi. C'est une façon de se battre, même si ce n'est pas la méthode la plus élégante. Mais c'est une façon de se battre. Nous qui sommes là, jusqu'à présent, je ne suis pas reparti en Guinée parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pensez que nous aussi, de temps en temps, on ne veut pas revenir là-bas? Mais oui. Mais quand on sent, quand l'âme ne se sent pas en sécurité, tu n'y vas pas. Mais moi aussi, j'ai fait des sacrifices aussi. Il y a plusieurs personnes ici qui ont fait des sacrifices, qui se disent, j'ai partagé beaucoup de vidéos, tout le monde me connaît. J'interviens souvent sur les pages, tout le monde me connaît. Je préfère attendre. Ça aussi, ce sont des sacrifices. C'est ce que M. Gassama Diaby a dit. Ce sont beaucoup de personnes ou plusieurs personnes qui se sont battues pour qu'on arrive là où nous sommes. Donc, votre histoire de Maninkaïté là,
Mettez ça de côté, s'il vous plaît. Sinon, le noir sera toujours en bas du blanc. Et cela, vous allez trouver ça injuste. Parce que ça, c'est autre chose. Mais c'est la même chose. La Guinée n'a pas été créée avec une ethnie sortie de terre. Non. Les gens sont venus se retrouver là. Nous sommes tous venus de quelque part. Tous. Donc, nous avons d'autres méthodes pour éliminer les politiciens par rapport à leur âge. Ça, c'est les urnes. Vous allez montrer quel jeune en Guinée. Je sais que leur histoire de CNRD, ils ont un plan. C'est pas le colonel lui-même, mais ils ont un plan pour présenter quelqu'un. Mais ça, c'est leur droit. Ceux qui n'ont pas participé, qu'on ne connaît pas, quelqu'un d'entre vous, on vous prend, le colonel se cache derrière, ça c'est son droit. C'est pas lui qui sera président, mais il se débrouille, pourquoi pas. C'est possible. Maintenant, cette histoire d'âge, on va revenir un peu en arrière. Ceux qui sont en train d'écrire et de... Attendez, s'il vous plaît. Et d'appeler, c'est pas maintenant, il faut que je finisse. Ceux qui sont en train de parler d'âge, mais Alpha Condé avec quel âge? On l'a pêché à quel âge? À quel âge? Un. De deux, vous savez quoi? Le politicien le plus nul que la Guinée n'ait jamais connu, c'est Alpha Condé. Wallahi, c'est Alpha Condé. Vous savez pourquoi? Cette histoire de constitution la fois dernière, c'était l'occasion de se débarrasser de tout le monde. De tout le monde. Il allait faire cette loi-là. Et autre chose encore, quand vous parlez d'Air Guinée, coller Air Guinée, coller tous les bateaux qui ont disparu en mer en Guinée, coller tout ça, même les migrants là, mettre tout ça sur la tête de l'Arsène Oudel Diallo et l'écarter. Et lui-même, Alpha Condé est le politicien le plus nul que je n'ai jamais connu. C'est à ce moment-là que je me suis dit, le monsieur-là, ce n'est pas un politicien. Non, ce monsieur-là cherche des problèmes. Ce monsieur-là cherche l'humiliation. Parce qu'à ce moment-là, éliminer les autres, prendre un petit jeune du RPG, le présenter et tricher face à Elias Seledal Ngalo, il n'y a pas de match, il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas de débat. Tout le monde va dire à Elias Seledal Ngalo, écoutez, monsieur, franchement, vous là, c'est toujours la même histoire, laissez-nous tranquille. Lui, il est jeune, prenons le petit là. C'est ton fils, ça. C'est ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, Alpha Condé allait être tranquille quelque part, en train de se moquer de nous. Mais il n'a pas vu ça. Il n'a pas fait cela. Et son parti allait être en force aujourd'hui encore. Quelqu'un va me dire que oui, c'est un grand politicien. C'est un grand politicien pour ceux qui sont dans l'illusion. Une illusion de 40 ans, de 50 ans. Et vous osez appeler les autres moutons. Même la différence entre les animaux, vous ne connaissez pas. Mais c'est pas ce que je ne comprends même pas. Les gens qui n'ont pas combattu Alpha Condé, ceux qui ont combattu Alpha Condé, c'est eux qui ont donné naissance à Mamadi Doumbouya. Même les cœurs, même les publications. Même les publications, toutes ces personnes se sont battues. Chacun à sa manière. Donc, toi, tu vas laisser toutes ces personnes-là prendre ceux qui ne se sont pas battus. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu prends ses amis. Ça veut dire que tu prends les saletés qu'il avait, qui vont te salir, qui vont te souiller. Ça va te souiller, ça va te salir. Dès que vous allez voir certaines catégories de personnes soutenir ce monsieur-là, il va tomber. Wallah, il va tomber. Parce que c'est des gens qui sont attirés par le négatif. Le positif ne les attire jamais. Ils seront toujours attirés par ce qui est négatif. Donc ça, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour lui. Nous allons voir ça, Inch'Allah. Si le monsieur-là ne change pas, écrivez ce que je vous dis. S'il ne change pas, la route qu'il a pris là. La route qu'il a pris. Ce n'est pas une question d'élection. C'est parce qu'on est en train de détourner son pouvoir vers Iblis. C'est pourquoi il a fait le concert là. Vous avez vu le concert là, j'en ai parlé deux fois. Le côté que vous étiez en train de voir, moi je ne voyais pas le côté là. Hein. Parce que les chanteurs là qui sont là-bas, regardez-les. Quand Alpha Condé était là, si vous n'avez pas remarqué certaines têtes qui soutenaient Alpha Condé, c'est les mêmes qui vont soutenir Mamadi aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un lien. Inch'Allah, on va m'attendre. Mais ça ne marchera pas, gros. Je n'ai pas dit
Vous n'allez pas recaler les gens, non. Mais allez du côté de Iblis. En Guinée, ça ne marchera plus. Khalati. Vous serez rebâme et bien si. Maintenant, nous avons parlé de la limite d'âge. Ce n'est pas au colonel de faire cela. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à vous. Voilà, cette constitution, on va se débrouiller. On va la voter. On va déjà l'étudier. Il faut que nous soyons au courant de ce qui est écrit dedans. Vous êtes allé ramasser n'importe quoi, tout et n'importe qui. Parce que j'ai revu cette liste-là, c'est n'importe quoi. Vous regardez ces gens. Vous êtes en train de vous acharner sur M. Dansa. Dansa est petit dans cette affaire. Il y a d'autres personnes qui étaient sur Facebook, qui sont, connaissent leur compte et leur page. Même pas une publication politique. Ils ne connaissent rien, rien du tout. Ils n'ont rien apporté politiquement à ce pays. Ils ne se sont pas battus. Ils n'ont même pas écrit un seul jour que je suis pour ou contre telle personne. Ils ne l'ont jamais fait. C'est ceux-là qui vont aller rédiger tout ce bazar et nous l'amener sans qu'on ne vérifie ce qui est écrit dedans. La Guinée ne sera plus comme avant. Vous serez très, très dépassés. Vous avez déjà commencé à attaquer les pages des gens parce qu'on vous dit que c'est Facebook. On n'est même pas obligé de faire des vidéos. Le vent qui vous a amené de Forêt-Caria jusqu'au jour là, vous êtes devenu invisible. Le même vent là sur vous. Colonel, ça sera trop rapide. Donc, tout le monde vous a apprécié. Tout le monde vous apprécie parce que vous êtes venu au bon moment. Mais comportez-vous bien pour ne pas que ça finisse mal pour vous. Moi, quelqu'un d'autre va venir demain. Je vais m'asseoir ici, dire à la même personne encore, merci beaucoup mon frère. Il déconne, je dis, ah, le même van là va te prendre. Beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Les iblistiques, en Guinée, vous allez finir. Oui, Iblis va quitter ce pays-là. Je vous ai déjà dit, vous savez ce qui se passe en Guinée avec les sacrifices? Vous chassez Iblis, les autres le rappellent. C'est comme si tu veux divorcer avec un homme ou une femme et tu le séduis. On prie pour que Dieu nous sauve. Vous faites des sacrifices sataniques. Tu ne veux pas d'une femme, tu la séduis. Tu ne veux pas d'un homme, tu le séduis. C'est ce qu'on est en train de faire de ce pays-là. Et c'est ce qu'on fait depuis que la Guinée est Guinée. Depuis que la Guinée est Guinée, les sacrifices humains, les bébés, les tombes, les... qu'est-ce que vous allez chercher dans les tombes? Vous ne pouvez pas vous lever la nuit pour prier. Hein? Vous ne pouvez pas vous lever la nuit pour prier. Vous ne pouvez pas être sincère, faire des campagnes un peu partout. Depuis le 5 septembre, il y a beaucoup de choses à faire. Islamiquement, pour les jeunes et tout et tout. Celui qui dit qu'abat les vieux là, ça sera dans les urnes, mon frère. Ce sont les vieux là qui se sont battus jusque là où on est arrivé, là où on est arrivé. Tous les jeunes se sont mis derrière ce vieux là. C'est ça. C'est pas parce que quelqu'un est au pouvoir que tu ne vois pas lui dire la vérité ou ce que toi tu penses être vrai. C'est ça l'erreur de monsieur Dansa. Il se serait démarqué à ce moment-là, il ne l'a pas fait. Il a une deuxième chance aujourd'hui encore pour montrer au peuple qui il est. Mais si vous êtes là à monter votre groupe de maninkaïté et de vous dire que oui, les gens de la Haute-Guinée ne nous avaient pas soutenus, ils vont nous soutenir aujourd'hui, on va les mettre dos à dos avec la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Mon frère, c'est raté. C'est raté. Parce que ce n'est pas la Haute-Guinée qui s'est battue pour que tu sois là où tu sois. C'est tout un peu de chacun. Un peu de Haute-Guinée, un peu de Moyenne-Guinée, un peu de Basse-Guinée, un peu de forêt. Un peu, même des gens qui ne sont pas guinéens. Tous ceux-là se sont battus pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une zone que vous allez récupérer. Si cette zone-là gardait les gens au pouvoir, Alpha Condé n'allait pas finir comme il l'a fini. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Il y a des sacrifices qui ne donnent plus dans ce pays-là. Non, il y a des sacrifices, ça ne donne plus comme avant. Ça a changé. Et Inch'Allah, ça marche. Tous les sacrifices que vous allez faire dans ce pays-là. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a changé, créer ce pays, il a créé les Guinéens, il nous a tous créés. Vous faites des sataniques, iblistiques en Guinée ou hors de la Guinée. Hors de la Guinée, que Yah Hakim juge entre vous et les autres Guinéens qui sont là innocents, qui ne sont pas en train de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est abusé, c'est exagéré. Ce pays-là ne doit pas être comme ça. Mais dès que quelqu'un vient au pouvoir, tous les présidents qui sont venus au pouvoir, ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait. On fait cela, ah, quand elle était là, il a fait ça. Quand elle était là, quel bon président nous avons eu dans ce pays-là? Quel bon président? La Guinée n'a jamais connu de bon président. Aucun. Qui vous a amené l'électricité? 24 heures sur 24 heures. Dans tous les villages. L'eau. Manger. Il y a des zones en Guinée même. Est-ce qu'ils mangent?
la route qu'il a pris là, avec vos sacrifices bidon à 2 francs, laissez tomber, ça marche pas. Inch'Allah, ça prendra pas. Hein? Et si vous insistez, Allah obir na yermi, ne rebri insistez fait gistenta ne sert pas faire la Guinée qu'a fait qui. La Guinée on connaît nous d'une ire yeux. Wo senta ne sert qu'a yoba fait. Allah subhanahu wa taala, qu'a oba souture. Aga wara yermi d'une qu'a oto. Parce que ça c'est, je ne comprends même pas comment des musulmans peuvent se mettre toujours à déterrer dans les cimetières, à couper les organes des gens, à couper les organes génitaux des gens. Et tous les pouvoirs vous faites ça. Qu'est-ce qui a changé pour ce pays? Qu'est-ce qui a changé pour les zones qui font cela? Vous ne pensez pas à ça? Juste pour une question d'orgueil? Hein? Je pensais que vous allez dire, oh, c'est le malinqué qui a développé la Guinée. Hein, c'est toujours les malinqués qui sont au pouvoir. C'est toujours les malinqués qui sont au pouvoir. On n'a toujours pas d'électricité. On n'a toujours pas d'eau. Ça, c'est pas un problème. Mais frères et sœurs, il y a un problème. Il y a un gros problème de ce côté-là, de ce niveau-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça, c'est pas une question d'ethnie. Laissez l'affaire d'ethnie là maintenant. Si c'est un Thomas qui gagne, même s'il a 150 ans, il faut lui donner le pouvoir. Si c'est un Australien qui vient en Guinée, il se déplace, il vient en Guinée, dit qu'il veut se présenter. Les Guinéens ne voient pas qu'il est Australien. Les Guinéens disent, ok, l'Australien là, on va voter pour lui. Donnez-lui le pouvoir. Les Guinéens se sont dirigés vers l'Australien là. Moi, je ne suis même pas pour dire que c'est telle ethnie. Qui que ce soit qui peut faire le bonheur de ton pays, même si c'est un Japonais, je ne vais pas prendre un malinqué ou un peul ou un soussou qui ne vaut rien au pouvoir. Et là, c'est un Japonais qui peut venir me donner l'eau, l'électricité et à manger. Je ne le ferai pas. C'est un orgueil mal placé. Ça n'a pas de sens. On va là où nous avons nos intérêts. On va là où on peut mieux vivre. On va là où on peut bien vivre. La preuve, ça, ce sont les soi-disant musulmans. Ce sont les mêmes zones là où ils sont partis mettre les extrémants sur le Coran. Ça, ça peut garder quelqu'un au pouvoir. Awala attention, répétez-le. Oula, ce sera autant de navigues sentant de serrer bafou. Oula, ce sera. Wallah, il faut aller à la Guinée d'Adi. Qu'on râle dans la Guinée d'Adi. Allah au pire, il va se tourner. Allah au pire, il va se tourner. Allah au. Parce que si vous continuez avec ces sacrifices-là, ce monsieur-là risque de mal finir. Astafoula, 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 astafoula. Et ça sera une deuxième honte encore. Et qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un malinqué, soi-disant Alpha Condé, qui a fini dans la rue. Ah, voilà un deuxième malinqué qu'on a attrapé, on a fait ci, on a fait ça. Astafoula, qu'Allah nous en garde. Vous ne pensez pas à cela? C'est toutes ces manigances-là qui nous a amenés là où nous sommes. Toujours éviter le peul là. Toujours éviter le peul là. Toujours éviter le peul là. Pourquoi? Si c'est écrit qu'il sera président, il sera président. Si c'est écrit qu'il ne sera pas président, vous allez vous fatiguer et avoir le mauvais nom pour rien. Et gâcher le pouvoir de votre fils. C'est-à-dire qu'il est jeune, que vous êtes venu mettre les trucs dans la tête, qu'il n'avait pas dans la tête. Je connais ces lavages de cerveau là. Nous, on se connaît. On se connaît. Comme pour moi-même, ça ne peut même pas marcher là. Donc, on n'essaye même pas. Donc, le colonel, tous les sacrifices qui ont été faits pour le détourner de la route d'Allah, qu'Allah détruise tous ces sacrifices-là. Vous aussi, arrêtez vos prières. Hein? Toutes ces communautés-là, ils le font tous. Quand le colonel venait d'arriver, il y a un imam qui m'a expliqué un truc. Je n'ai même pas compris. Ah, il faut prier 2 rakas par nuit pendant 7 jours. J'ai dit donc, on va prier 2 rakas par nuit pendant 7 jours. Les autres jours, on fait comment? J'ai dit non, imam, c'est pas comme ça. Il faut dire aux gens qu'ils peuvent faire au minimum 2 rakas. Moi, je fais 11 par nuit. Ils peuvent faire au minimum 2. Et tous les jours qu'ils peuvent se lever de le faire. Mais 7, ça, c'est les chayatines. Tout ce qu'on vous fait par contre, prier 7 jours, prier 12, c'est les chayatines. Tous les marabouts guinéens là, et pire, c'est un erwani. Mais c'est-à-dire, pourquoi vous ne pouvez pas laisser ces choses-là? Ça fait combien d'années que vous le faites? Qu'est-ce que ça donne? Vous êtes dans l'obscurité. Vous dormez avec les serpents. Vous dormez avec les chiens et les chats. Depuis que la Guinée est bon Dieu de bon sang. Qu'est-ce que Dieu ne vous a pas donné? Qu'est-ce que Allah n'a pas donné à ce pays-là? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Il nous a tout donné. C'est comme ça on le récompense? Hein? C'est comme ça on le récompense en déterrant dans les mosquées, dans les tombes, en mettant les excréments sur le Coran, dans les mosquées, en coupant les organes génitaux des fillettes, des garçons. C'est comme ça, on va l'appeler pour qu'il nous aide. Quelqu'un... C'est triste. C'est vraiment triste. Donc, colonel, ne
vous dites même pas. Ou celui qui se dit que vous êtes, ils sont en train de faire les sacrifices, ça va sauver le colonel, ça va le mettre dans les problèmes. Regardez depuis quelque temps. Regardez depuis quelque temps. Même sur Facebook, les gens qui ont l'habitude de le soutenir, il paraît que beaucoup de personnes sont en train de dire autre chose aujourd'hui, de le conseiller d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à quelque chose. Il a touché à quelque chose. On lui a fait toucher quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Je vous avais expliqué la fois dernière comment moi, mon âme rejette les choses. Je ne vous dis pas toutes les saletés que ces gens-là envoient aux gens. Même devant, quand on est assis ici, moi, ils se demandent même quoi faire. Ils se demandent quoi faire. Ils ont même des méthodes qu'ils font pour faire en sorte que tu ne pries pas. Mais vous vous donnez tout ce mal-là, pourquoi? C'est vous qui avez fabriqué l'électricité. Vous avez fabriqué même une bicyclette. Hein? Donc c'est triste et c'est dommage d'amener ce monsieur-là dans ce monde iblistique, satanique, qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Il voit autour de lui qu'on le critique. Il voit autour de lui que les gens ne sont pas contents. Il ne comprend même pas pourquoi les gens ne sont pas contents. Ça va vous apporter quoi? Ça a sauvé qui dans ce pays-là? Qui ça a sauvé? On les a tous traités de la même manière. Tous des dictateurs. Tous des tueurs. Vous pensez que vous allez mettre les gens dos à dos? Les gens vont encore sortir. Ah, c'est les peuples, c'est les... UFDG, restez chez vous. Restez chez vous, restez tranquille. Ça va se régler, Inch'Allah. Wallahi. Mamadi Doumbouya. Tu prends le chemin d'Iblis. Iblis va te ligoter. Inch'Allah, oui, il te ligotera. Il amènera quelqu'un d'autre. Celui-là aussi va appeler Iblis à l'aide. Iblis le ligotera. Progressivement, jusque la personne d'Allah vienne. Inch'Allah, ça sera comme ça. Donc, il faut continuer. Celui qui ne t'a pas applaudi quand tu es venu, celui-là va commencer à t'applaudir brusquement. Tu ne te poses pas des questions. Moi, les filles qui mettent les produits éclaircissants là, et les perruques, en général, ne m'aiment pas. En général. Si celle-là commence à m'apprécier, je me pose des questions. Hein. Je me dis, je pense soit elles ont changé de côté ou c'est moi qui ai changé de côté. Maintenant, nous allons venir aux vagues de coups d'État. C'est les mêmes histoires. On a mis la sécurité du colonel dedans. Je vous l'avais déjà dit, il y aura beaucoup de coups d'État en Afrique, Inch'Allah. C'est cette histoire de démocratie qui a échoué, c'est pas autre chose. Les gens qui sont contents de cela pour dire que oh, la France, Afrique, quoi. Mais, c'est-à-dire, les Africains, vous allez me faire piquer une crise un jour. Les armes que vous utilisez, vous pensez que qui a créé ça? C'est vous? Vous allez divorcer avec la France comment? Vous avez des centres nucléaires où vous fabriquez des armes. C'est-à-dire, tu utilises les armes que les autres ont fabriquées et tu dis que tu te bats contre ceux-là. Mais ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Vous pensez que, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'écrit, laisse-moi tranquille. Vous voyez, ce n'est pas une question de divorce de France-Afrique. Non, la France est toujours là-bas. Les armes, là, c'est eux qui fabriquent. Donc, le côté là, laissez ça, cherchez autre chose. Si les chefs d'État et nous, les Africains, on ne se comporte pas bien, ça sera toujours comme ça. Celui qui vient, il pense que lui, il est mieux que tout le monde. Mais les autres vont se dire, mais tu n'es pas mieux que nous. Si le colonel, je vous disais à un moment donné, nous allons éviter de le critiquer d'une certaine manière, parce que chaque partie de la population a ses représentants sur les réseaux sociaux. Et ça va donner des mauvaises idées à certaines personnes. C'est ce que je vous ai dit. Et vous voyez, plus on va le critiquer, certaines personnes, certains militaires auront certaines idées. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Et ils vont se dire, ah, les gens qui le soutiennent, ils ne le soutiennent plus. Hein. Les gens qui le soutiennent, ils ne le soutiennent plus. C'est là que ça va sortir. Donc, on n'a pas besoin de manifester ou quoi que ce soit pour ça. On va tout faire prier pour lui, pour que Allah le sauve et que Allah le récupère. Ça, c'est son âme lui-même qui doit se battre pour se dire, je suis sur un chemin qui n'est pas bon. Non, on ne fait pas des techniques comme ça pour liquider les gens politiquement. Ça, c'est Alpha Condé qui aurait pu le faire. Celui-là ne l'a pas fait. C'est pas toi qui vas le faire et réussir. Ça m'étonnerait. Non. Ça m'étonnerait très très fort.
Celui qui écrit, c'est ridicule. Je ne sais pas si tu réponds à quelqu'un ou si c'est moi qui te dis que j'ai. Moi, on m'a déjà dit que je suis ridicule plusieurs fois. Énormément de fois. Mais le Mamadi Doumbouya là, on va vous montrer la force qu'il a amenée là-bas. La même force là. S'il ne va pas sur la ligne de la force là, ça va le prendre là-bas. Inch'Allah. Je ne le souhaite pas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Parce que vous allez dire que c'est encore la dame là. Mais ça sera pire que pour Alpha Condé. S'il prend la mauvaise route, pire que ça. La Guinée ne sera plus dans ces histoires de sacrifices là. Non. Ça, c'est fini ça. Om se se yakolo. Halati. On verra. Maintenant, il y a eu beaucoup de trucs. Il y a eu ici, il y a eu ça. Nous voulons savoir où est-ce que se trouve M. Alpha Condé, l'ancien président de la République de Guinée. La fois dernière, il y a eu beaucoup de bruit parce que M. Sédoudal Ndiallo a dit que le président de la République ou l'ancien président, aujourd'hui, moi aussi, je le dis, c'est l'ancien président de la République de Guinée. Parce que quand on l'a pris en tant que président. Il est gagné, mais il n'est pas gagné, mais on l'a pris en tant que président. On l'a pris à la présidence. Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on a attrapé un charretier? Ou bien qu'on a attrapé un mécanicien? Non, c'était lui. Et il avait une assemblée. Ça, c'est son assemblée, mais c'était l'assemblée à ce moment-là. Donc, voilà. Maintenant, où est-ce qu'il se trouve? Ou bien on n'a pas le droit d'en parler? On n'a pas le droit d'en parler. Monsieur Alpha Condé a quitté la Guinée. Je ne me rappelle pas de la date. Peut-être c'était le 17, je ne sais plus. Il a quitté la Guinée en bruit avec beaucoup de fanfare. Nous avons vu les photos. Nous avons vu une vidéo. La vidéo, ce n'était pas du direct. Ce n'était pas du direct. Voilà. Ah, d'accord. Ok, ce n'est pas moi. Ce n'est pas grave. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas... Si c'est pas moi, c'est pas grave. Si c'est pas moi, c'est pas grave. Peu importe. Donc, nous voulons savoir. Monsieur Alpha Condé, il paraît qu'il est parti à Abu Dhabi. C'est ça, non? Voilà. Mais quelqu'un qui est un ancien président, ce n'est pas une petite personne, c'est une grande personnalité. Voilà. Il y a eu beaucoup de photos, il y a eu toutes ces choses. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a eu un bon scénario, une bonne communication pour son départ. Mais malheureusement, je ne sais pas si vous vous êtes au courant, je ne sais pas, mais il y a peu d'informations sur son arrivée là-bas. Normalement, la communication doit suivre. C'est un ancien président, il est parti, il est arrivé, il se sent bien, il se sent mieux, sa santé s'est améliorée, oui ou non, ça c'est la logique. C'est en Guinée et c'est en Afrique qu'on voit tout le temps que quand un président est malade, on le cache comme si ce n'est pas un être humain. Ce sont des êtres humains. Ils tombent malades. C'est tout à fait logique avec l'âge en plus. Mais lui, dans son cas, la façon dont il est parti officiellement et officieusement, je pense que nous devons chercher à comprendre ce qui se passe et que le CNRD, c'est-à-dire le gouvernement actuel, doit communiquer là-dessus. Ça fait quand même 2 semaines ou plus. Ça, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Peut-être que ce n'est pas... à moi de m'inquiéter de cela, mais bon, je le fais quand même, même si je ne suis pas du RPG arc-en-ciel, je le fais quand même parce qu'il a quand même gouverné la Guinée 10 ans, que ce soit légal ou non, il l'a été. Donc, nous voulons savoir ce qui se passe au niveau de M. Alpha Condé, s'il va bien, s'il ne va pas bien, si son avion, son jet privé, le jet privé qui le prenait, parce que ce n'est pas son avion, est-ce que ce jet privé a fait marche arrière? Est-ce que ce jet privé est allé ailleurs? Est-ce que ce jet privé est allé à Dubaï ou à Abu Dhabi? Est-ce que je pense que c'est notre droit. Si on ne nous informe pas, nous devons poser la question. Ou bien c'est faux? Non, c'est vrai. Voilà. Ha khoyen ke li rouma ikata manera kolon. Ha bar so asode ha muso ha bar so ken. Tout ce que nous sommes en train de dire là, CNT, quoi, tout ça c'est très bien, c'est tout ça, ce sont les nouvelles de la Guinée, les coups d'état à gauche, à droite, ce sont les nouvelles, tout ça c'est bien. Mais Monsieur Alpha Condé est-il arrivé, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il ne va pas mieux? Il a été opéré? Je ne sais pas. Moi j'aimerais bien savoir, je suis très très curieuse. Est-ce qu'il est en exil ou il est parti se soigner? Voilà, c'est ça le truc que moi j'aimerais bien savoir. Son fils est à ses côtés. Ah bon, moi je ne suis pas au courant. Donc ceux qui sont au courant des nouvelles, vous pouvez appeler
Allô, oui, allô. On est là, on écoute. Oui. Oui. C'est sur le direct de Marie ou pas? Oui, c'est ça, c'est ça. On est sur le direct, on vous écoute. Ah, voilà. En fait, je voulais dire ceci. Parce que je vous vois souvent faire les directs, c'est super intéressant et vous vous posez beaucoup de questions, surtout celles que vous vous êtes posées aujourd'hui, en ce qui concerne est-ce que nous avons applaudi très tôt le CNRD. Il y a une chose que nous devons comprendre aujourd'hui. Les pays africains, en particulier les pays de l'Afrique de l'Ouest, tout ce qui se passe là, nous, le bas peuple, nous devons faire attention parce que c'est les pauvres citoyens qui sont là, qui ne savent même pas ce qu'il faut faire. Doumbouya, qui est président en Guinée aujourd'hui, qui est venu par un coup d'État, il a une nationalité française. Quand ça ne va pas, il peut prendre son vol et aller quand il veut. Mais, par contre, les autres citoyens qui n'ont même pas la chance de quitter la Guinée, même entre Conakry et Kindia, c'est eux qui vont souffrir. Oui. Doumbouya est venu, c'est vrai qu'il a nettoyé, il a enlevé Alpha. Mais il a enlevé Alpha, c'est pour quelqu'un qui est observateur démocratique. Il peut comprendre que oui, en enlevant Alpha Condé, il a joué sur la mentalité des Guinéens. Aujourd'hui, il a fait sortir Alpha Condé de la Guinée. Il a donné un passeport à Konaté et Dadis. Pourquoi maintenant les anciens dignitaires de Alpha Condé, pourquoi les anciens ministres de Alpha Condé sont kidnappés et bloqués en Guinée, alors que Alpha est le cerveau de tout ce qui s'est passé en Guinée? Pour quelles raisons? Il y a beaucoup qui sont malades. Pourquoi laisser Alpha partir et confisquer le passeport des anciens ministres? Qui sont qui? Pourquoi? Est-ce que c'est juste ce qu'il fait? Lui Doumbouya, est-ce que c'est juste? Il nous a dit qu'il a fait le coup d'État. Il s'est sacrifié. Il a pris des éléments qui ont joué dans ce coup d'État, les mettre en prison. Il prend encore d'autres, les Senkou Kaba et autres, les ramener dans le fonctionnement de l'État. Est-ce que vraiment ce monsieur est venu pour aider la Guinée ou bien il est venu pour faire sa continuité inutile? Parce que moi, je dirais que c'est quelque chose qui est inutile. Là où il est aujourd'hui, il se prend pour président. C'est un coup d'État. C'est vrai, les Guinéens avaient trop marre. Tous les Guinéens, personne n'a applaudi parce que c'est Katori qui est parti ou parce que c'est Diané qui est parti. Tout le monde a applaudi parce que c'est Alpha Condé qui est parti. N'est-ce pas? Oui. Tout le monde a applaudi parce que c'est Alpha qui est parti. Vous voyez? Maintenant, si Alpha est parti, c'était... 3, 9, 8, 4, 2. Je souhaiterais que le Guinéen ouvre son esprit. Je vais toucher le procureur qui est en Guinée aujourd'hui, Charles Alphonse Wright, qui se prend pour un prophète ou pour un homme plus juste que tout le monde. Là où il est, comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de laisser Alpha partir et s'attaquer à Zeynab pour dire ce détournement? C'est Alpha le cerveau. Le cerveau est là. Tu laisses le cerveau aller avec tous les honneurs, un guest privé pour aller se soigner. Tu prends des petites personnes dans le palais maintenant, tu mets ta loi sur les petites personnes qui sont dans le palais, alors que tu as laissé le roi partir. Est-ce que ça, c'est juste ça? Allô? Je vais répondre ou pas? Vous me recevez? Oui, oui, très bien. Oui, oui, parce que moi, là où je suis, je sais qu'on n'est pas tous au même niveau d'information, mais les Guinéens doivent ouvrir leur esprit. Si la Guinée brûle aujourd'hui, je vous donne aujourd'hui ce direct, je vais vous donner ces noms-là. Si la Guinée brûle, n'importe quand, dites-vous que c'est Mamadi Doumbouya, dites-vous que c'est Charles Alphonse Wright, dites-vous que c'est Ousmane Kaba, les trois. C'est des bombes atomiques pour la Guinée. Ah je bon? Vous le dis, je le répète encore. Alphonse Wright, le procureur, il va toucher quelque chose qui n'est pas à toucher. Ceux qui parlent des rails, ceux qui parlent de l'avion, tout le monde sait qu'il n'y a pas un Guinéen de Cancan à Conakry, un Guinéen qui habite à côté des rails, qui n'a pas utilisé ses rails dans la construction de leur maison
et des ponts ou dans des toilettes qu'ils ont construites. Il n'y a pas un Guinéen. À Cancan, ça s'est passé comme ça. Les populations sont sorties, ils arrachent. À Kourousa, c'était la même chose. À Dabola, c'était la même chose. À Mamou, c'était pareil. À Kindia, c'était pareil. À Koya, la même chose. Et à Conakry. Donc, il faut qu'ils arrêtent de nous tympaniser pour des choses inutiles. Les Guinéens, ils doivent vraiment... Parce que je me demande pourquoi, surtout certains militants de l'UFDG, qui, dès que quelqu'un fait quelque chose, ils se mettent à applaudir. Tu applaudis quelqu'un qui est venu pour te noyer. Parce que Charles-Alphonse Wright, qui se prend pour un procureur saint, je l'ai dit, j'ai posté ça, j'ai dit qu'il déclare ses biens, qu'il nous dise ce qu'il a, avant de rentrer en fonction. Aucun membre du gouvernement actuel n'a fait les déclarations de ses biens. Ils sont là à nous fatiguer pour des futilités. Donc, moi, je vous demande vraiment d'accentuer ce point par rapport à la tête, au cerveau Alpha Condé, qu'il arrête de nous fatiguer à cause des Kassori, à cause des Kiribi, à cause des Diané et consorts. Alpha, pourquoi il a laissé Alpha partir? Pourquoi? Parce que c'est Alpha qui l'a délogé au palais. Est-ce que c'est Kassori qui était au palais? Est-ce que c'est Diané qui était au palais? Ils sont partis déloger Alpha. Pourquoi ne pas le garder? Ok. Bon, je vais essayer de répondre à ça, à ma manière, Inch'Allah. Peut-être vous pouvez revenir, peut-être on verra, Inch'Allah. Merci. D'accord, ça va, il n'y a pas de problème. Okay. Ouais. Merci. Je vais essayer de répondre un peu à ce que ce monsieur-là vient de dire. Il faut qu'on comprenne une chose. La question que j'ai posée, parce que je la pose aux gens qui disent que ceux qui ont soutenu le colonel, on n'avait pas d'autre moyen. C'est ce qu'on pouvait faire à ce moment-là, selon moi. D'autres personnes peuvent appeler pour dire autre chose. C'est ce qu'on pouvait faire. Et si Elhaj Serourel Ndiallo n'avait pas appuyé, et il a très bien fait, il n'a pas à le regretter, personne n'a à regretter aujourd'hui qu'il ait soutenu le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD. Nous ne devons pas le regretter. C'est ce qu'on aurait dû faire, c'est ce qu'on a fait et on a très bien fait de faire cela. Mais on ne va pas non plus nous prendre pour des cons. Voilà, c'est tout. Moi, je dis et je le répète, c'est cette histoire de peuple-là qui est sous le truc. C'est ça le problème. Et ça, c'est une injustice. Tu ne vas pas venir combattre une injustice parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est cette affaire de Peul qui nous a amené là. Si on recommence encore avec cette histoire de Peul, ça nous ramènera encore pire que là où nous sommes. Inch'Allah, oui, c'est ça. Les mêmes causes, comme on dit, il faut terminer là-bas. Donc c'est ça. Il faut que l'erreur que l'autre a fait, tu essayes de ne pas faire la même erreur. Tu te sers des erreurs de l'autre pour avancer, pour éviter les pièges. Même si tu as beaucoup de personnes autour de toi qui ne veulent pas les bonnes choses, si tu es sincère, qu'on te tue dans ta sincérité là, ça aussi, ça va rester dans l'histoire, qu'on te tue dans la malhonnêteté et que ça aussi, ça reste dans l'histoire avec une connotation malhonnête. Ça, c'est encore pire et c'est encore plus grave. On n'a pas d'autres situations ou d'autres solutions pour un homme politique. C'est ce qui fatigue tous les hommes politiques africains. Ils préfèrent avoir leur entourage, ils préfèrent avoir les grandes puissances que d'avoir une bonne partie de la population avec eux. C'est l'âme de la population qui vous sauve. C'est l'âme de la population qui pleure. C'est l'âme de la population qui souffre. Les puissances-là s'en fichent. Ils vont vous donner des petits coups de main. Mais tant que ces âmes-là ne sont pas contentes, ces âmes-là peuvent faire appel à ces puissances-là. Nos âmes les appellent. Nos âmes appellent Allah. Donc, c'est ça. Personne n'a à regretter quoi que ce soit. Même si c'était un Golo Kountoui qui avait tout coupé le jour-là. Il vient, on dit que c'est lui qui a attrapé Alpha Condé. On allait l'applaudir. Voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, qui disent que c'est bien fait pour l'UFDG, c'est bien fait pour l'ANAP, c'est bien fait pour ceux qui sont sortis, c'est à ceux-là que je suis en train de répondre. Vous n'étiez pas contents ce jour-là, parce que vos vivres sont coupés. Vous n'étiez pas content ce jour-là parce que vous vous êtes senti humilié. Si vous vous êtes senti humilié ce jour-là, c'est ce que vous méritez. Et si encore c'est un truc ethnique que les gens veulent mettre en place, Inch'Allah, ils seront encore humiliés. Voilà, c'est ça.
Parce que nous autres, nous les quelques personnes, moi je suis Sissoko, je ne vais laisser personne demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que nos enfants trimballent cette histoire de Malinké là. Non. Le colonel Mamadi Doumbouya, il est Malinké. Il aurait pu laver l'honneur de tout ce qu'on traite de dictateur. Il aurait pu le faire très rapidement. Il y a des exceptions dans tout. Il y a des bons et des mauvais partout. Mais c'est les sacrifices sataniques là qui font ça. Ce n'est pas autre chose. C'est les sacrifices sataniques là qui font rentrer Satan dans leur corps. Qui fait que c'est moi. L'arrogance, la fierté, l'orgueil. Vous n'avez pas vu. Même les gens qui parlent en leur nom ici, comment ils sont arrogants. Mais tous les jours, Allah les humilie. Tous les jours que Dieu a fait, on les humilie. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Donc, concernant M. Alpha Condé, il a l'immunité présidentielle. Comme ce monsieur dit, on n'a pas arrêté les cassouris, les pôles et les pierres. Non, ce n'est pas pareil. Il a l'immunité présidentielle. C'est un ancien président. S'il est malade, il doit aller se soigner. Les gens vont me dire, moi-même je l'ai déjà dit, ils vont se dire que pourquoi il n'a pas construit d'hôpitaux en Guinée. Cela, s'il meurt, il est vieux. Les mauvaises volontés, les mauvaises langues, les mêmes personnes qui disent aujourd'hui c'est bien fait pour ceux qui ont applaudi, les mêmes personnes vont dire que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui l'a tué. Tandis qu'ils savent qu'il est malade, tandis qu'ils savent qu'il est vieux. Donc c'est cela aussi qu'il faut comprendre. Ça aussi, il le fait pour lui-même. Mais le côté que je ne comprends pas, ce monsieur-là n'est pas en fuite. Non. Ce monsieur-là n'est pas en exil. Monsieur Alpha Condé n'est pas en fuite. Monsieur Alpha Condé n'est pas en exil. Monsieur Alpha Condé est parti pour ses soins. C'est un ancien président. Il a l'immunité présidentielle. Il est parti officiellement et officieusement, il me semble. Donc, nous devons être au courant de la suite de la situation. Les RPGistes, vous n'êtes pas curieux de savoir si votre affaire est arrivée à destination, s'il se porte bien, s'il a été opéré, s'il n'a pas été opéré, s'il est malade, s'il n'est pas malade, s'il va mieux, s'il mange bien. Vous ne voulez pas savoir cela ou vous ne voulez pas qu'on touche ce sujet ou alors vous avez espoir qu'il va fuir en catimini. Ça m'étonnerait. La force qui a fait qu'on a mis la main dessus, la même force peut l'amener au tribunal. Oui, Inch'Allah. Parce que cette force-là, ça ne vient pas de vous. Si vous étiez fort, ce monsieur-là n'allait pas se retrouver comme ça. Et si vous vous dites aujourd'hui que ceux qui ont soutenu M. Alpha Condé vont soutenir M. Mamadi Doumbouya, ça c'est la chute assurée parce que vous avez la poisse. Vous, vous êtes des porte-malheurs. Ceux qui ont soutenu Alpha Condé jusqu'à sa chute, c'est des porte-malheurs. Ah, je peux vous le dire, vous n'êtes pas avec Allah. Hein? Allah n'humilie pas sa personne de cette manière. Je vais vous le dire tous les jours. À cause d'une seule personne, il aurait pu éviter cette humiliation à ce monsieur-là. Mais il ne l'a pas fait pour vous humilier. Donc, si vous transportez vos bagages de bad luck, vos bagages de poisse, vos bagages vous n'avez pas de chance. Vous n'êtes pas des chanceux. Vous n'apportez pas le bonheur. Depuis que vous avez commencé à soutenir le colonel Mamadi Doumbouya, voilà, il ne fait que des gaffes. Les gens, remarquez seulement. Remarquez. Ce n'est pas seulement une affaire de CDD. Une affaire de CDD, ça c'est Allah qui va régler ça. Oui, parce que ce qui se passait, quand le colonel n'avait pas fait le coup d'état, ce qui se passait, il trouvait cela injuste. Ce que toi tu trouvais injuste, pourquoi tu vas refaire la même chose aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est là que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je vous dis, ce n'est pas autre chose. Hein. C'est les sacrifices sataniques là. Wallahi, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Vous allez voir. Mais je pense qu'il y a des communautés. Il y a deux choses qui vont se passer dans ce pays-là. Il y a des communautés qui ne vont jamais prendre le pouvoir. Il y a des communautés qui vont passer toute leur vie dans l'humiliation. Apparemment, nous sommes sur ce chemin-là. Jusqu'à ce que ça change. Inch'Allah. Les vidéos sont là. Allô? Allô? Salam alaikum, ma soeur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Oui, merci, ma soeur et la famille. Tout le monde se porte bien? Oui, alhamdulillah, ça va vraiment. Dieu merci, c'est par rapport à vos sujets, c'est que vous exprimez. Mm-hmm. Et moi, dans mon point de vue,
soutenir quelqu'un, cela veut dire pas, parce que quand il soutient quelqu'un, il est dans le giron, tu ne vois pas le Dieu, la vérité. Oui. C'est dans la vérité qu'on trouve le chemin. Donc, moi, sincèrement, mon inquiétude, j'avais écouté le discours de mon colonel Mamadi Doumbouya à la télé, comme tout le monde. Il avait dit que la justice sera notre boussole. Mais ma soeur, quand la justice sera notre boussole, tout le monde verra les actes, les premiers actes qu'il a posés, vraiment, tout le monde a apprécié. Mais il y a eu des actes posés, on se demande est-ce que c'est lui-même ou bien c'est quelqu'un d'autre. Ah. Vous comprenez? Oui, Donc, clairement. vraiment, c'est vraiment triste. Quand on ne veut pas continuer à se mentir en se régardant, le mensonge, on a combattu le mensonge pendant tous ces derniers temps. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des gens qui ont perdu leur vie, il y a eu des gens qui ont perdu leur bien, il y a eu des gens qui ont été persécutés, il y a eu des gens qui se retrouvaient en exil. Donc, ce qui est plus important, c'est trouver la boussole. La boussole, là, on doit se poser. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la nation? Comment on doit être? Quels sont les actes à poser? Quelles sont nos bases? Parce que c'est dans la justice qu'on peut trouver l'amour, la solidarité, la paix. On peut trouver tout ce que le colonel il nous a déjà dit. Il a déjà parlé. C'est déjà arrivé. C'est au cerf. Mais s'il n'est pas sous la route, il y aura des personnes qui vont. Non, c'est ça, malgré on l'a redit. Donc, c'est pas prendre tout le temps. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient réagir. Vraiment, je suis de cœur avec vous et je prie tous ceux qui combattent pour la vérité, qu'Allah vous donne la force, la santé, la paix, l'amour et la prospérité. Et qu'Allah exauce votre foi, parce que ceux qui se battent pour la vérité, ce n'est pas pour tout le monde, il n'y a pas d'ennemi pour la vérité. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Merci, merci, merci à vous aussi. Écrivez, excusez-moi, ceux qui écrivent et ceux qui ont appelé après, avant que j'ai pas appris, il faut essayer de rappeler. Voilà, maintenant vous pouvez appeler. J'ai fini, j'ai presque fini. Sinon, on va arrêter là. Donc, en gros, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, il y a un groupe qui est parti se mettre là-bas, mettre les histoires de Maninkaété dans la tête du monsieur. Mais pourquoi, quand il est venu, vous n'avez pas commencé par là? Vous ne l'avez pas commencé par là. Donc, si vous voyez certaines catégories de personnes vous soutenir, vous devez vous poser des questions. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ceux qui ont soutenu quelqu'un et que celui-là fasse faillite, ça m'étonnerait que vous vous réussissiez avec ces mêmes personnes, parce que ces mêmes personnes vont vous amener les mêmes idées. Ça n'a rien à voir avec aucun politicien ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas au colonel Mamadi Doumbouya ou à Paul ou à Pierre de dire que telle personne doit se présenter aux élections présidentielles, que telle personne est jeune, que telle personne est vieux. Et les jeunes Guinéens sont encore plus pourris que les vieux, nous les connaissons. Ce n'est pas caché. Tout le monde sait comment ils sont. Donc voilà, il faut que il reste sur son chemin à lui, faire les choses correctement et proprement. Ah, s'il ne fait pas les choses correctement et proprement pour faire des petits coups à gauche, à droite, ça n'a rien à voir avec l'UFDG ou avec Paul ou avec Pierre. Mais si on lui met les choses, cette histoire de Peul, oui, le Peul ne doit pas gouverner la Guinée. Oui, les Peuls, ils ont fait ci. Oui, les Peuls, ils ont fait ça. Si les Guinéens votent pour un Peul, ils savent qu'il est Peul. Ils vont voter pour lui. S'ils n'ont pas envie de voter pour lui, ils ne le voteront pas pour lui. Si les Guinéens trouvent que M. Sidya Touré est vieux, eh bien, ceux qui n'aiment pas les vieux ne voteront pas pour M. Sidya. Ceux qui n'aiment pas les vieux et qui trouvent que M. Lansana Kouyaté est vieux, eh bien, ils ne voteront pas pour lui. Ce n'est pas au colonel Mamadi Doumbouya de dire que M. Sidya est vieux, M. Ousmane Kaba, il est jeune, ou il est vieux, ou telle personne a une grosse tête, ou il a une petite tête. Non, non, non. Ça, ce n'est pas son problème, ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Rédigez correctement votre histoire de CNT, votre histoire de constitution et tout. Si c'est à voter, nous allons tous voir ce que c'est dedans. Nous allons la voter. Si elle est falsifiée, nous n'allons pas être d'accord avec. Moi, je ne suis dans aucun parti politique. J'ai mon petit téléphone ici. Je ferai avec cela, Inch'Allah. Et je vais, comme ça, vous allez comprendre comment ça se passe. Si vous pensez que
ceux qui ont soutenu M. Alpha Condé, vous avez un poids, vous n'avez aucun poids. Je suis désolée de vous dire ça. Aucun poids vous n'avez. Si vous aviez le poids, le 5 septembre n'allait pas arriver. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Assoyez-vous aujourd'hui, qui que vous soyez, même si tu es mon père ou ma mère, assois-toi aujourd'hui, tu te poses la question sur tes choix politiques. Tu te poses la question sur ta foi. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un sans que ton âme ne puisse sauver la personne, sans que ton âme ne puisse comprendre qu'il y a un danger. Moi, le colonel, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Oui, il y a un truc qui ne va pas. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Le colonel Mamadou Doumbouya n'est pas quelqu'un de méchant. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais à la base. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais mes frères et sœurs, même pour les vidéos là, je vous dis que les Guinéens font de ces sacrifices et de ces boulots. C'est-à-dire, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Tu te dis, mais dans ce pays-là, où est-ce qu'ils vont chercher des idées comme ça? Et tous les régimes, vous avez vu M. Alpha Condé, il est ce qu'il est. Il a été ce qu'il a été. Mais ce monsieur-là prenait souvent des décisions qu'il changeait comme ça. Le colonel, ça a commencé chez lui, il paraît. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises avec des gens de confiance qui sont même de même ethnie que lui. Qui sont de même ethnie que lui. Ou des forestiers, ou des sous-sous. Le monsieur change après. Ça, c'était les trucs qu'on faisait à M. Alpha Condé. Il était ce qu'il était, hein. Voilà, ça n'excuse pas. Mais ça, c'est les mauvais boulots et les mauvais sacrifices que les gens aiment faire. Que les Guinéens font. Tout ethnie confondue, ils le font. Donc, vous, vous chassez Iblis, mais les autres le séduisent. On le chasse, quelqu'un, la majorité l'appelle. Mais à un moment donné, Allah va finir par nous punir d'une autre manière. Hein? Je suis désolée. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, hey, mon frère, excusez-moi, il faut un peu diminuer votre téléphone là-bas, pardon. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Ah, vous avez diminué là-bas? Je m'entends, quoi. Ah, je m'entends. Diminuez l'autre. Ah, d'accord, laisse-moi couper le son. Ah, ouais, couper, hein? C'est mieux. Il faut couper. C'est bon? Il faut couper l'autre là-bas. Alors, il faut parler, bah, je vais voir si j'entends. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Ah, c'est bon, allez-y, bonsoir, comment ça va? Bienvenue. Voilà, je vais bien et vous. Alhamdulillah. D'accord, moi je vous appelle par rapport au problème de la Guinée. Oui, allez-y, on vous écoute. C'est concernant par rapport au sacrifice des humains qui se passent dans le pays. Ah, allez-y. Si vous me permettez, j'aimerais un peu échanger à Maléki. Allez-y. Ambraya. Il faut parler un peu fort. Soussoumara. Pardon? J'ai dit, il faut parler un peu fort, rien de coro. Ambraya. Ah, c'est bon, allons-y. Mansa Soussou Nara pouvoir là. Tant que Ani Mokoro Memisi Yorokele Kabara a décidé d'avancer là. Mais du moment que Ani Mokoro Membrisi Yorokele Kakuma a décidé de faire là encore. Et alors, mon coquet. Parce que nos anciens là, ils sont là, Motulu les là, Motulu les boulot. Eh, Motulu. Et quand. Motulu le boulot, il y a des décisions de Nyanyama, il dit que maintenant la wa, il y a des Nyanyama. Une fois que elle n'y a pas ici, elle prend ici qu'elle n'y a pas de Nyanyama, et la décision a été dans celle-là qu'elle a encore. Hein? Parce qu'elle va dire que la Motulu la il bra. Ah. Kakuma. Ah. Kani ici, il y a encore Kakuma. Ah. Elle quitte au même fois la tannou de qu'il est magi, elle quitte au tamana ou l'égard. Faut être là où tu es là. Hein? Donc, le problème de la Guinée, c'est un problème de fond. Mais les gens parlent d'un problème de surface, sans aller haut, en bas. Mimba Mindia, oui, ou le fola. Sous l'effet de l'émotion, Mimba Mindia, oui, ou le fola. Et pourtant, il refuse de voir par le fond. C'est vrai, il n'est pas opportun pour le moment de chercher les anciens.
va pas chercher les anciens. Mm-hmm. Il faut travailler avec les anciens. C'est évident. Oui. C'est bien vrai. Oui. Mais il faut savoir parmi les anciens avec qui travailler. Oui. C'est aussi important. Oui. Donc, je pense bien que tant que le pays là, Moli Yemini Kolambo Turula Kanisi, Moli Yemini Amalgam Kela, Moli Yemini Nalisila Mansanya Korokafo Mansanya, ni il était ileli, ni il était la Guinée Toa, ni il était la Guinée Bétoli, il était Mene. Avant lui, il y a eu des présidents, et après lui, il y aura des présidents jusqu'à la fin du monde. Ibrahim, donc il faut que nous, Guinéens, on arrête de faire ça. Il faut que nous, Guinéens, on travaille dans le bon sens. Donc, nous avons quand on croisé, quand on a fait la Et cela ne va pas grandir le peuple, ne va pas grandir le pays et ne va pas grandir une communauté en Guinée. Oui. La Guinée, c'est un pays qui a quatre raisons, à quatre roues. Si une seule raison se recule, les trois roues ne pourront jamais aller. Fomoli ou les blés et la femme ou yaka. Tant que ma blé la femme ou yaka, antise wala fancisi. Ne ban na karana na la Guinée yanka posteron. Alpha Condé télé, ni au témoignage qu'elle n'y a dit. Nos postes au seront ni minke. Mbara la poste aura pour un certain temps, jusqu'à 9 mois. 9 mois c'est ni minke. Moi je suis Peul. Fula le nedi, Yalo le nedi. Est-ce Ibrahim? Mais Ibrahim n'a manqué quand il est là. Oui. Ibrahim, ça ne manque rien. Oui. Et je ne connais pas la moindre Guinée. Je ne connais que la haute Guinée. Kankan, Sigirin, Bourin, Fatoya, Mandiana, Dialakoro, tout ça là, je connais, c'est lui là. Moindre Guinée, j'ai été en moindre Guinée 3 fois. Le jour où j'ai épousé ma femme et le jour où je passais pour aller à Dakar et le jour de mon retour en Guinée. C'est les trois fois que j'ai été à moindre Guinée. Donc, j'ai travaillé 9 mois. Après les 9 mois, ils ont manigancé les choses à la présidence pour m'écarter de mon poste. Il n'y a pas là où je n'ai pas été voir les personnes pour qu'on puisse m'aider. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qui m'a découragé dans tout ça? Je suis parti voir un jour un monsieur dont je garde l'anonymat, le nom de l'anonymat. Le monsieur m'a dit carrément de changer mon nom Diallo là, Maître Kaba ou bien Maître Condé ou bien quelque chose comme ça. J'ai dit, mais si c'est comme ça, moi, je préfère rester sans boulot au lieu que je change ma dignité pour un poste. Je dis, je ne le ferai pas. Vraiment. Donc, depuis Okeran Kamafa, vous voyez des choses comme ça dans un pays qui veut avancer. Ça pourra... Atena, c'est la Walanye fait. Atena, Walanye, Atena, Benali, tant que Idesu, Oyankoun, Atena, Benali, fait. Donc, il y a des mêmes fois, la Guinée calme. Moi, ma maman, elle est malinquée, mon père est Peul. Donc, tu sais, foulal la blala man kalnye, tu sais, man kal la blala foulal nye. Femme belle et wakilendi. Nam ma wakilendi, femme belle et wakilendi. Ala le ka ambela na la Guinée. A tradisi, ras belle kalakana ou bebla la Guinée. Mais aka foula maninka nous soso nous forestier nous. Ako ou le la den, ko ou le keto la Guinée. Donc, une culture sous autant kundo, Athéna c'est la Bena, Antise Walanye. Oui. Athéna Bena, le fufufu. Donc, faut la Guinée Kali, Bolo, donne yon Bolo. Un franc, manamana la. Manamana mbafo, manamana. Un canaï raka, mansala. Kona l'été, alele. Mon kilentise kola. Ita brema likela, kabanka boye, mon brena, ofana y donike, kala ita brema oka, ofana y boye, ainsi de suite. États-Unis, là, les États-Unis, là, ils sont, et là, président Guétina était en plus de 45, 46e président. Vraiment. Président Soussou Nara, ou dit, il t'a donné que nous, on sera courant-co les régler là, ou dit, courant-co régler Kawa. Mais maintenant, Nato, encore, nous, on sera Silako les régler là, ou dit, Silako régler Kawa. Mais Nara, encore, nous, on sera logement social, etc., ou dit, on fera que Kawa. Mais quand un président vient à échantier Belaka, logement social, l'eau, électricité, courant, emploi, jeune, malomou, noumou, noumou. Et le kele, ou beke, ou kele, ami.
tani nyam tani ukoro. Juste deux mandats, 10 ans koro. Et c'est là où qu'elle a dit. Wallahi. Tu ne peux pas. Oui. Même si le pays est le plus riche au monde, tu ne peux pas faire tout ça là, toi seul. C'est pas trop possible. Bien. Il faut que Ibanaï priorité ta. Si tu dois travailler sur l'électricité, tu dois faire deux mandats. Il faut faire tes deux mandats. Uniquement, tu travailles sur l'électricité. Après, tu fous le camp. Une autre personne vient, lui aussi, il dit, bon, je vais m'occuper de l'alimentation. 10 ans, il travaille sur l'alimentation. Après, il fout le camp. Oui. Une autre personne vient encore, ainsi de suite. Je pense bien avec ça, dans 40 ans ou dans 50 ans, on aura un résultat positif. Oui. Je prends l'exemple sur Alpha Condé. Oui. 2010, moi, j'ai fait campagne pour Alpha Condé à Cancan. Mm-hmm. Mais quand il est venu, il s'est attaqué à des grands chantiers. Mm-hmm. Route, électricité, l'eau, quoi, logements sociaux. Mm-hmm. Il a fait quoi dans tout ça? Il est parti jusqu'à nous promettre dans des bonbons, usines de bonbons, usines de quoi, je ne sais pas. Il est parti jusqu'à nous dire qu'ils vont, que la Guinée va vendre l'électricité à la Côte d'Ivoire ou je ne sais dans quel pays encore. Mm-hmm. Mais vous voyez tout ça, c'est de la folie. Une seule personne ne peut pas faire tout ça. Pas possible. Donc, moi, je pense bien que si Doumbouya est là, il n'a qu'à s'attaquer à des priorités. Les priorités, que ce soit deux seulement, il se limite à ça. Il fait ça, il rend le pouvoir. Le gars qui va venir après, lui aussi, il fait deux ou un. Il quitte une autre personne qui vient, lui aussi, il fait ça. Tu verras le résultat. Sans ça, Antena Wala Francisi. Donc, Mami Mboulo Kafo, Wole Odi Bishumendo. Merci et bonne suite. Ah, merci beaucoup, qu'Allah te paye. Merci vraiment, mon frère. Ouais. Merci, oui. Merci, du courage. Et voilà. Il a dit trop de choses, mais c'est à peu près les mêmes trucs. Mais là où il a commencé, c'est-à-dire, quand tu apprends des choses, même, c'est-à-dire, c'est incroyable. Il a commencé par dire que il commence par ce dont je parlais, l'affaire du sacrifice humain. Nine, qu'il eight, commence par ça. Four, two, et alors, eight, allô? Le français là, il faut m'attendre d'abord, pardon. Ou bien c'est même pas la France. Moi je sais même pas. Ok, enfin bref. Donc, il dit que les sacrifices humains dont je parle, il veut parler de ça. Qu'il y a des gens en Guinée, avant de venir rencontrer le chef, ou de rencontrer les gens, quelque chose comme ça, il met l'huile humaine, la crème humaine, l'huile humaine sur lui. Donc, quand il a mis ça sur lui, il vient te voir, qui que tu sois, quand il te parle, tout ce qu'il dit là, c'est ça que tu vas faire. Donc, tant qu'il y a des trucs comme ça, les gens ne vont pas rester derrière leurs décisions. Donc, il faut que les Guinéens s'attaquent aux problèmes de fond. Souvent, on s'attaque aux problèmes en surface. Il y a les problèmes de fond qu'on n'attaque pas. L'affaire d'ethnie aussi, il a parlé de l'affaire d'ethnie. Lui, sa maman est Malinké. Son papa est Peul. Il a parlé de beaucoup de petits villages de la Haute-Guinée qu'il a fait. Il avait même fait campagne pour Alpha Condé, je crois, c'était en 2010. Voilà, les gens s'attaquent à plusieurs chantiers en même temps. Ça éparpille les trucs. 3, 9. Ah oui, tout le monde a le droit. Maintenant, expliquez. C'est-à-dire la Guinée, il y a trop de problèmes sataniques. C'est une vraie problème, la Guinée. Maintenant, la Guinée ne vous dit pas, nous n'avons pas parce que c'est une rampe de la Guinée. Il me tirait avec elle, à la fois, à la fois, à la moule, la Guinée ne va pas parce que nous n'avons pas parce que nous n'avons pas parce que nous n'avons pas parce que pays qui a monté, pays nord, qui a n'a fait, comment le pays est. Nous n'avons pas parce que le pays est très stressé, il a toujours été, c'est-à-dire coréen, ma pentame, et puis là, avant tout la Guinée. Mais l'affaire, c'est ce que nous avons avancé. Rien ne peut avancer dans le pays-là. Voilà. Rien ne peut avancer. Parce que Wali n'a rien de pas la Guinée. Wali n'a rien de pas. Sentane Walibo. Voilà, grand Sentane Walibo. Yati. Voilà.
sacrifice rituel la femme, mérite vraiment sacrifice. Non, je ne sais pas. Comment vraiment? Vraiment?
Donc, on cherchait des projets dans les ministères concernés pour ne pas appeler quelqu'un. D'accord, d'accord. On a eu à contacter des personnalités mieux placées des ministères. Un jour, on a été invité par ces personnalités, le président de l'ONG et moi et quelques jeunes de membres de l'ONG. Donc, quand on est parti, le chef qui nous a invités, au téléphone, il était franchement, il était content. Mais quand il nous a reçus dans son bureau, le jour-là, il ne se sentait pas bien. Donc, il nous a redonné un autre programme. Comme, comme notre président était tellement occupé, il m'a chargé d'aller le rencontrer encore. Parce que nous, on voulait des projets de reboisement. Il y avait l'approche de la saison pluvieuse. Donc, je suis reparti. Mais toujours, ce monsieur, il se sentait toujours pas bien. Donc, on a cherché à savoir pourquoi, à chaque fois qu'on vient dans son bureau, presque tant qu'il est au dehors, franchement, ça va. Mais dès qu'il rentre dans son bureau, il se perturbe. En faisant des petites enquêtes, le monsieur nous a invités chez lui, à la maison, un dimanche, notre équipe. Quand on est parti, il nous a expliqué un peu brièvement, il nous dit, il se passe, qu'est-ce qu'il y a. Mais depuis qu'il a eu ce poste, il est normal jusqu'à ce qu'il rentre dans le bureau. Dès qu'il rentre dans le bureau, il se perd. C'est-à-dire, à ni de la fiamma, il devient furieux contre tout le monde. Il ne sait pas y a quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous aider à booster nos projets, mais lui-même, il a des problèmes. C'est-à-dire, moi, je suis dans un problème, je ne peux pas aider quelqu'un pour résoudre ses problèmes. Donc, c'est comme ça qu'on a perdu ce projet. Quand on a perdu le projet, donc, ce qui veut dire on s'est dispersé. Mon président aujourd'hui, il est à l'Occident. Moi aussi, je ne suis pas au pays. C'est-à-dire, l'ONG, presque l'ONG, le nom est là, mais ça n'existe plus. Par après, ce même monsieur, après la chute du professeur Alpha Condé, ce même monsieur a recontacté notre président pour l'expliquer maintenant le réel du problème. Soi-disant, quand ils ont été délogés et tout cela, tous les chefs qui étaient là-bas, ils ont été délogés. Qu'après délogement, ils ont trouvé des parties humaines dans le bureau, là où ils étaient. C'est-à-dire, miyokori quoi. C'est-à-dire, les parties inférieures d'une personne et des membres supérieurs, quoi. Donc, il y avait ça caché dans ce bureau. Donc, ce monsieur a dit, donc, c'est pourquoi toute personne qui rentrait là-bas, parce que c'est un poste très, très important. Le poste était important. Donc, il est beau régler maintenant, parce que le poste est important. Le poste-là, même le ministre de la dite et du ministère, c'est-à-dire à rapporter une arabe. Donc, tous les projets se passaient là-bas. Tous les projets se passaient là-bas. Donc, c'est-à-dire, pour ne pas trop prendre votre temps, on pleure en Guinée, c'est vrai. Mais on couille mon fans. Mais on couille mon fans. On a des problèmes personnels d'abord. Moi qui vous parle, tout le monde a son problème personnel avec le bon Dieu. Nous devons d'abord réconcilier avec Allah pour maintenant revenir à terre, pour implorer la grâce divine, franchement. C'est modéré là, parce que moi, je ne peux pas comprendre que des personnes qui vivent dans le même pays, c'est-à-dire tu côtoies avec quelqu'un plus de 1000 ans, 100 ans, j'ai dit, vous ne pouvez pas vous comprendre, vous ne pouvez pas vous comprendre.
ça vient de vous. Il faut vous revoir. Les personnes doivent les revoir. Parce que tu ne fais pas dire que tu es musulman, ensuite tu es couillé Batouma. Ça, c'est impossible. On ne sait pas. Ça, c'est impossible. Vraiment. Donc, on a un combat comme ça. Il était à la canco. Vraiment. Moi, il y a un mec. Franchement, maman, et bravo. Bravo, on vous soutient. Ceux qui mettent les têtes mortes, eux aussi, on les félicite parce que. Non, de nous faire la le Satan n'aime pas qu'on parle de la vérité. Oui. On prie, on va prier pour ceci aussi, pour qu'ils soient délivrés de Satan. Ils sont dans les mains de Satan, ceux qui mettent les têtes mortes, parce que vous dites la vérité. Oui, oui. Merci beaucoup. Qu'Allah vous paye voilà. Tout ce qu'il vous a dit. Je vais vous laisser, merci. Ah ouais, merci, hein? Vraiment, merci. Et... Bon, je ne sais même pas par où commencer. Vous avez entendu pour celui-là, c'est les mêmes histoires. Vous voyez, partagez la vidéo, repartagez, mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Repartagez, s'il vous plaît. Repartagez, mettez beaucoup de cœur. Ok, enfin, ils m'ont donné des mots de tête. Ouf. Bon, le monsieur qui a parlé en malinké a parlé d'huile humaine, voilà. Le monsieur qui a parlé en soussou a confirmé, lui, il a parlé de sang humain, que les gens utilisent le sang humain sur eux. C'est à peu près les mêmes histoires. L'autre, c'est huile, l'autre, c'est sang. Et le monsieur qui a parlé en soussou a parlé de sang et que ce sont les Léonais même qui lui ont parlé de ça, qui lui avait dit, un Léonais qui lui a dit, votre pays ne peut pas avancer parce qu'il se passe des trucs bizarres, les gens là utilisent le sang sur eux. Donc, ça fait des années que moi, je parle de ça ici. La Guinée est sur le chemin du Cheytan. On a tout essayé. On a tout fait. On a tout essayé. Tout. Mais c'est ça. Et ceux qui me regardent là, ce n'est pas une question de parti politique. Vous-même, vous êtes malheureux. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Nous, les Guinéens, nous sommes malheureux. C'est ça la vérité. Quand ton pays est à terre, tu te sens à terre. Ça, ce n'est pas un débat. Personne, tout le monde veut qu'on parle du bien de son pays. Même si... vous n'êtes pas de la même ethnie. Comme vous aimez le foot, vous avez vu le foot dernièrement, là, ce qui s'est passé. Voilà, quand c'est la musique, parce que c'est ce que vous aimez. Mais tôt ou tard, moi, je vous l'ai dit, je suis Sissoko, il y a beaucoup de gens de la Haute-Guinée qui ne sont pas contents, mais il y a deux personnes de la Haute-Guinée qui ont appelé là tout à l'heure. Il y a certains qui sont contents de moi parce qu'ils savent ce que je dis, ce n'est pas faux. Avant, ils pensaient que, non, moi, je me bats contre les Malinké parce que Monsieur Alpha Condé, je le critiquais et tout. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, c'est un Malinké. Mais je vois que les sacrifices là ont commencé. C'est ce qu'ils sont en train de... C'est ce qui l'attrape. Il faut qu'on l'aide. Parce que quand il lui arrive malheur, nous, ça va nous faire mal. Moi, ça me fera mal. Je vais passer à autre chose parce que c'est certainement dans son destin. Mais je vais venir ici vous dire, oh, les gens avaient dit tout ce que ces gens-là sont en train de dire là. Ce sont les dénonciations d'Iblis. Ils sont en train de dénoncer Shaitan. Ils sont en train de dénoncer Iblis. Ils ne me connaissent pas. Tous ceux-là, c'est la première fois qu'ils appellent tous ici. Vous voyez que tous les sujets ont leur personne. Tous les sujets ont leur témoignage. Il ne faut pas dire que le sujet-là n'est pas bon. Oh, ça, c'est les dénonciations très graves. Iblis et ses éléments sont très, très fâchés. C'est pourquoi vous voyez les têtes de mort là. Mais Inch'Allah, le jour que la Guinée va changer, vous allez penser à moi. Mais il n'y a pas 50 000 problèmes. Vous voyez dans le même pays, les ethnies ne s'entendent pas. Le même pays, ils se marient. Mais ils ne s'entendent pas pour le pouvoir. Eh, what about you? À un moment donné, vous êtes des musulmans. Vous ne vous asseyez pas pour réfléchir à cela. Mais vous allez au marabout. Le marabout te dit, ah, tu sais, le peuple, là, quand il sera président, c'est ci. Mais c'est Iblis qui parle au marabout. C'est Iblis qui parle au joueur de courrier. C'est Iblis qui parle au Simbo. Donc, personne ne gagne. Tous les Simbo, tous les marabouts, tous les joueurs de courrier, toutes ces voyants-là, ils finissent tous mal. Tu ne verras pas un pour dire que non, lui là, ça va mieux. Parce qu'ils servent Shaitan, ils servent Iblis. Ils ont des dons, j'ai expliqué ça. Ils n'utilisent pas correctement leurs dons. Nous les Guinéens, nous n'utilisons pas correctement nos dons. Nous les Africains, nous n'utilisons pas correctement nos dons. Ce n'est pas autre chose. Parce que nous avons c'est-à-dire, nous avons la paresse. Nous avons la paresse de se lever la nuit. Nous avons la paresse de s'accepter comme les filles. Tu es noire, tu veux être blanche. Tes sourcils, tu enlèves ça. Toutes ces petites choses-là, c'est beaucoup. Allah n'aime pas ça. Ça, c'est le travail des religieux.
sensibiliser les gens pour leur dire ce n'est pas bon, tu es né de cette façon, reste comme tu es, arrêtez les faux cheveux, arrêtez. Allah va revenir. Il voit qu'on est en train de faire ce qu'il aime. Il nous aime, il aime la Guinée. S'il y a un pays que Allah aime, je pense que c'est la Guinée. Mais si est-ce que nous, nous l'aimons, comment tu peux aller à la mosquée, tu as ta grosse bague avec les trucs écrits dedans. On te dit que ça, c'est Dieu. Avant d'aller à la mosquée, tu verses l'eau le matin. Je vous ai dit tout ça. Ce n'est pas bon. Verser l'eau le matin, là, ce n'est pas bon. Poser l'eau avant de dormir. Mes arrière-grands-parents, tes arrière-grands-parents faisaient cela. Qu'est-ce que tu es toujours dans une maison en terre battue. Tu es toujours dans un endroit là où il y a l'obscurité. Mon frère, Kabamara, vive Doumbouya. Tu n'aimes pas Doumbouya plus que moi. Voilà, parce que peut-être toi, tu n'as même pas combattu Alpha Condé. Toutes les personnes qui ont combattu Alpha Condé, Doumbouya est leur résultat. Forcément, ils vont l'aimer. Mais si ce monsieur-là finit mal, moi, ça va me déranger plus que toi. Voilà, ça me dérangera plus que toi qui es en train d'écrire aujourd'hui. Là. Peut-être que le jour qu'il est venu, tu n'étais pas content. Tu n'étais pas content le jour qu'il est venu. C'est aujourd'hui que tu es content parce que tu le vois échouer, parce que c'est ça ton projet. C'est ça. Moi, je vous ai dit, la Guinée ne change rien dans ma vie ni dans mon programme. Mais quand j'ai découvert un truc qui ne va pas, ce n'est pas autre problème dans ce pays. Ceux qui appellent là, c'est ce qu'ils disent. Qu'ils me suivent depuis très longtemps, je parle de ça. Moi, je parle toujours de ce côté-là. Je parle toujours de ce côté spirituel, mystique-là. Parce que c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Hein. La base, c'est ça. Tu ne peux pas prier et tu n'aimes pas les autres ethnies. Tu n'aimes pas, tu pries, tu dis que c'est toi seulement qui dois être au pouvoir. Tu pries, tu te dis que non, l'autre là, c'est pas un Guinéen. Comme si quand on créait la Guinée, le sol de la Guinée là, est sorti avec toi. Ou est sorti avec ton ethnie. Ça, c'est quelle bêtise ça. Donc, vraiment, quand on parle des religieux, chaque religieux veut que ce soit son ethnie qui soit au pouvoir. Chaque ethnie a sa mosquée. Dis donc, ça c'est normal. Ça c'est normal ça. On vous parle de ça, vous mettez les têtes de mort. Comment vous allez avoir le bonheur avec ça? Moi je suis un stop. Je suis un sens interdit. Tu ne viens pas dans mon sens. Vous savez combien de sacrifices sont faits par jour sur moi? Vous savez combien de choses on m'envoie tous les jours? Ça ne peut pas passer. Wallahi, ça ne peut pas passer. Moi, Dieu, Allah, il m'aime et moi aussi je l'aime. Mon combat, il faut que l'islam triomphe. Tous les musulmans, je vous ai dit, changez votre façon de prier. Toutes les nuits que vous vous levez, Allah subhanahu wa ta'ala, on veut que l'islam triomphe dans ce pays-là. Laissez vos ethnies, laissez vos politiciens, laissez tous ces gens-là. Maintenant, c'est Allah qui sait. Il va amener la personne. Si ce n'est pas les vrais résultats des urnes, on continue encore. Aujourd'hui, le colonel... Vous allez commencer. Non, le colonel m'a déçu. Non. On est en train de l'amener sur l'échec. Pourquoi? Quand il y aura un échec, pour dire, ah, vous avez vu, non, c'est vous qui avez applaudi. Pour dire au colonel, vous avez vu, non, ceux qui ont applaudi, les voilà maintenant qui se combattent. C'est ça. Ça, c'est les idées sataniques. Ça, c'est les idées iblistiques. Les gens qui ne veulent pas l'entente. Les gens qui ne veulent pas la paix entre les gens. Les gens qui veulent toujours les conflits et les désaccords. Donc, vous allez continuer vos doigts où qu'Allah le protège, qu'il le guide. Qu'il le protège, qu'il le guide. Maintenant, s'il insiste sur... Allô? Allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Ok. Je voulais juste intervenir sur le thème du jour que vous êtes en train de débattre. Avant tout, d'abord, c'est la première fois que j'appelle dans votre direct. De temps en temps, je vous dis que ça dépendra du montant. Mais j'apprécie beaucoup ce que vous faites parce que là, même votre physionomie, ça doit donner beaucoup de réflexions. Ce que tu vois, c'est nous en Guinée. Il faut que nous changeons. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change la manière de faire. Il faut qu'on s'aime entre nous. Il faut qu'il y ait la tolérance. Il faut qu'il y ait l'amour entre les Guinéens. Sinon, on ne va pas en sortir. Parce que, et pour ceux qui connaissent certains pays de la sous-région,
On ne dit même pas pour certains pays de l'Europe, là, là où il y a l'état d'espoir. Mais par exemple, si vous prenez l'exemple égal, il y a beaucoup de respect. Les droits des hommes sont respectés, les droits des vieux sont respectés, les droits des femmes sont respectés, l'enfant est très respecté. Mm-hmm. Et si vous montez dans une voiture, vous voyez comment les gens, dès qu'ils voient un vieux, il y a quelqu'un qui veut donner des sacrifices, il paye ce. Tu payes le transport de la personne pour avoir des bénédictions. Mm-hmm. C'est tout le contraire chez nous. Mm-hmm. Même si vous vous arrêtez à Conakry, prenant un taxi, mm-hmm. vous voyez comment les gens se bagarrent, sans respecter même les vieux ou les femmes. Et mm-hmm. en un clin d'œil, vous allez faire la lecture du comportement des Guinéens. Mm-hmm. Oui. Donc, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on a ratées dès au début. Oui. Il faut qu'il y ait des réflexions. Il faut qu'il y ait des sensibilisations, mm-hmm. il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait la croyance mm-hmm. à Dieu, il faut qu'il y ait la croyance. Mm-hmm. Pour ceux qui, parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut que la personne écoute, mm-hmm. il faut qu'il soit touché à la croyance d'abord. Mm-hmm. Si la personne croit à Dieu, mm-hmm. dès que tu touches son dignité, mm-hmm. C'est le domaine de la croyance, il va écouter, il va accepter ce qu'on lui donne comme conseil. Mais comme la manière dont je fais la lecture du comportement de nous les Guinéens, mm-hmm. C'est triste pour nous, c'est triste. Mm-hmm. Il faut qu'on change. Je vais écouter avec tout ce qui se passe, les emplois seulement, au Maraputa, des choses pareilles, tout ça, c'est ce que vous dites, c'est du Satan. Quelqu'un qui croit à la vie et à la mort, quelqu'un qui est musulman, il doit savoir que nous sommes en passage ici. C'est comme si vous faites une photo, mm-hmm. la flash qui sort là-bas, c'est là-bas, c'est ainsi que la vie. C'est très, très court. Mm-hmm. C'est très court. Mm-hmm. Mais je ne sais pas comment nous pensons. Je ne sais pas comment il faut que nous prions à Dieu pour que Dieu nous excuse, nous tous. Vraiment. Et c'est pour cela que nous devions faire des journées de recueillement de pardon dans la sincérité. Mais sinon, moi, je ne crois pas. Parce que moi, si vous parlez là, moi, je fais partie des responsables de la société civile qui a des espaces. Je me suis beaucoup battu. Je me suis beaucoup battu pour qu'il y ait l'entente, pour qu'il y ait la cohésion, pour que nous voyons l'intérêt général. Mais non, à chaque instant, chacun regarde l'autre, se défend de son nom de famille. Oui. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, c'est mon lecture des choses. Donc, moi, chaque année, ça fait presque 10 ans, chaque année, je viens en vacances en vie, chaque année. Mais j'aime tellement mon pays, mm-hmm. mais ce que je vois chez nous, ça me dépasse. Oui. Ça me dépasse. Mm-hmm. On a des gens, on a des personnalités intègres, on a des passions. Mm-hmm. Mais le système est plus fort que tout le monde, presque. Il faut que nous démantelons ce système-là pour que nous puissions vivre en paix et pour que nous puissions construire notre pays. Mm-hmm. C'est ça que j'avais à dire, comme qu'il y a beaucoup d'intervenants. C'est juste pour vous remercier tout ce que vous faites dans votre vie pour qu'il y ait une entente, pour qu'il y ait la cohésion, pour que les gens acceptent d'être droits dans toutes les décisions d'y penser jusqu'aux effets, mm-hmm. tout ce que nous faisons, nous devons passer. Est-ce que c'est bon? Oui. Quelles sont les répercussions sur moi encore? Mm-hmm. Avant qu'on exécute dans nos langages, dans nos actes, mais à un certain moment, nos parents, les Guinéens, par exemple les empires avant même l'indépendance, on vivait dans la paix, on vivait dans la cohésion, ce qui nous unissait. Beaucoup de ces empires, c'était la religion. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Mais maintenant, il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien. On n'arrive même pas à comprendre. Voilà. On n'arrive même pas à comprendre. Vraiment. Même si vous écoutez ici certaines victimes, parce qu'en Guinée, il n'y a pas eu de guerre entre les ethnies. Il y en a qui, on est tous victimes de l'État. On est victimes de différentes régimes de l'État. Mm-hmm. Maintenant, il profite avec ça pour diviser les êtres. Donc, moi, je crois que il faut, même si vous écoutez les gens qui sont victimes en train de s'exprimer,
il y a un manque dans l'expression. C'est comme si rien n'est fait. C'est comme si nous ne sommes même pas victimes. Sinon, il y a des choses qui se passent dans la vie. La personne, c'est compliqué même pour qu'il s'exprime. Mais tellement que nous sommes habitués à la violence, nous nous sommes habitués aux mauvaises choses, c'est comme on a pris ça comme du normal. La normalité s'est imposée. C'est bizarre. C'est ça que j'avais à dire, madame. Je vous remercie très sincèrement. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Et j'espère que Dieu bénisse tous les Guinéens, que Dieu enlève cette Satan entre les gens, que nous puissions nous entendre pour l'intérêt de tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère. Qu'Allah vous assiste. Merci.